Take a moment right here. Feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. J'ai pas pris mon chat. J'ai pas pris le chat. Le chat, le chat, le... Où est le chat? J'ai plus le chat, j'ai plus... Ah, il est là. Voilà. Bonjour, le chat. Voilà. Ah. Voilà. T'as dû avoir une journée chargée, live à 22h50. Ah, si tard. Ah. Ah. Ça, c'est compliqué. C'est... Ah, je vous avoue. Et des journées comme ça, j'en veux plus. Hein. C'est fini. Hein. Les journées de barjo, quoi. Non, non, c'est bon, on arrête les bêtises. Hein. Ah, faut stopper ça. Hein. Ah, ça va pas la tête. À la base, le dimanche. Et putain, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le dimanche, je fais rien. C'est ma journée off le dimanche, quoi. Le samedi, c'est calme. Le reste de la semaine, on y va. Mais le samedi, c'est calme. Et le dimanche, c'est off. Ok, là, je vous déteste. Je vous déteste tellement d'avoir balancé toutes les infos, toutes les news le même jour. Alors vous auriez tellement pu profiter du week-end depuis le Bankai Live pour échelonner toutes les news sur l'ensemble des serveurs. Non, vous avez tout balancé le même jour, bande de fous furieux. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, ce... il sera arrivé. Zikmu. Oh, je suis littéralement d'enculé mon clavier. Là. Oh. Bah. Ma foi. Oh, mes maîtres. Oh, j'ai oublié Dragon Ball Legend, mes poules. Oh. Fallait bien que j'oublie des choses dans le tas. Enfin. Ça me paraissait compliqué de. Guy et la tour, c'est en 2019, c'est pas en 2018. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Scrunch? J'ai marqué une bêtise quelque part? Oh. Ah bah, my bad. Salut de la part de Takikuro. Ah, merci, Ichigo. Bah écoute, je te laisse lui retourner les salutations. Tu as poule le Big Bang Gacha SSCF? Ouais. Ouais, j'ai poule, ouais. Sa mère. Sa race. Jeu de merde. Jeu de merde. J'ai un doublon Saga Spire. Le pire doublon que je pouvais obtenir à voir, quoi. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Le pire doublon que je pouvais espérer avoir. Je sais pas ce que j'ai dit juste avant, mais oubliez. C'est pas grave. C'était. Je vous pète dessus. Ah, Bleach Fun, incroyable. Bah écoute, je te laisse juste 5 minutes en dehors du chat, le temps que tu puisses réfléchir un petit peu à l'ensemble de ton œuvre. Je te souhaite un bon retour parmi nous dans 5 minutes. Ensuite, on voit pas le chat sur le. Ah, oui. Oui, bah oui, forcément, pour enregistrer les VOD, c'est vrai que j'enlève le chat. Sinon, j'ai ce petit message, vous voyez, par défaut, là. Le petit message par défaut qui s'affiche tout le temps. J'arrive pas à l'enlever, c'est chiant. Je comprends pas pourquoi. Incroyable. T'as pris des packs? J'en ai pris 3. Oui, j'ai pris 3 packs.
Ouais, au lendemain de Noël, ça commence à devenir compliqué. Lendemain de Noël, j'ai fait des grosses commandes en termes de matériel pour 2019 qui vont arriver la semaine prochaine. Le cash play sur les jeux, va falloir se calmer. Enfin, je sais pas qu'il va falloir, c'est que j'ai commencé à calmer un peu le jeu, tu vois. Parce que... coûté beaucoup de sous cette dernière semaine, là. Les 10 derniers jours. La vache. Enfin. Est-ce que Zayel Aporo Instinct est bon? Le Zayel Aporo Instinct? Le instinct? Ah, mais c'est le vieux! Attends. Attends, instinct? What? C'est lequel celui-là? Comment on peut te parler sur Twitter? J'ai pas trouvé de bouton message privé. Y a pas de bouton message privé, c'est m'envoyer un message. Je crois que c'est un terme tout con. C'est pas tweeter ou quoi, c'est m'envoyer un message. Y a un truc comme ça. Alors attends. Je vais juste vite fait revenir là-dessus. Zayel Aporo. On peut filtrer les... Ouais, Espada. Très bien. Ah merde, ah oui, c'est celui-là. Oh là, oh là là. Ah oui, oh putain. Ah oui, c'est du cercle collector là dont on parle là. Ah oui, il sent la naphtaline celui-là quand même, effectivement. C'est... Ah oui. Ah mais c'est celui qui allait de pair avec le Ulquiorra V1, qui était même pas dans sa Resurrection. Ah ouais, alors celui-là, j'ai plus clairement en tête sa date de sortie, mais il date pas de la dernière fraîcheur. Hein. Il date pas de la dernière fraîcheur celui-là. Hein. Ah ya. On la sent à travers l'écran, ta fatigue. Ah, ma journée, ah oui. La journée, elle a été très chaude. Ouais, c'est le vieux collector, ça. Bah, ça, à la limite, j'ai envie de te dire, en attendant sa possible résurrection, c'est 125 orbes, quoi. Oh, petit message loot, ça. Les gars, loot, c'est gratuit. Bien sûr, celle. Bien sûr, bien sûr. Un Ataro plus puissant que Renji, il faut qu'on en parle. Oh non, dis pas ça. Il a des stats Kraken, Ataro. Alors, attendez, répondez pas à cette question. Juste avant que j'aille voir, parce que j'ai toujours pas été jeter un oeil. Ça vaut le coup qu'on s'y penche sur cette loterie, d'après vous? Le orange? Ah, j'ai compris le violet. Oh bah autant pour moi. Bah le orange c'est le parasol. Le Zayel Aporo parasol il est très bien, j'aime bien. Faut que tu te souviennes des persos. 1000 et quelques, 1076 persos. Non. Désolé, je ne retiens pas tous. Oui du coup oui, par rapport à cette bannière, ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil, histoire de savoir si je me dirige vers un piège ou voilà, c'est quoi votre ressenti? Alors, me spoiler rien, me dites rien, mais c'est quoi votre ressenti clairement? Oui, surtout Mayuri, d'accord. Je suis monté de 15 à 940 orbes depuis... 949 orbes, bah, putain, pas mal. T'as pas perdu de temps, dis donc. En vrai, si tu es Chigo Bloodvein rapidement, go sur celle du nouvel an. Sérieux? À ce point-là? Ah, la bannière est cool, ça vaut la peine. D'accord. It's a trap. Ouais. C'est le 3% qui gêne. D'accord. Ah oui, le 3% en fait est chiant, dans le sens où vous, ce que vous avez vu, ça vous aurait incité à poule, quoi, si je comprends bien. Un Ataro God Tier Rouge. Non. Arrête. C'est quoi ces conneries? Sérieusement. J'aime bien le gameplay d'un Ataro. Et je vois trop souvent revenir le nom d'un Ataro dans ce chat là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Un Ataro sans déconner? Non, arrêtez. Vous êtes pas sérieux. Pas dégueu, mais ça vaut pas le coup en 3%. Mayuri, tu vas parler mandarin. Mais vous êtes sérieux? Mayuri, counter de Chad. Les persos sont nuls. D'accord. La Rukia, ok. Bon, il y a un petit peu de tout, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, vous avez l'air d'avoir un retour positif sur ce que vous avez vu. Oui, Kiki, et faire super, effectivement, parce que je n'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait la bannière annexe avec les persos de la loterie premium, qui du coup donnait un taux de drop supplémentaire. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Qui c'est qui se prend un bloc d'entrée de jeu? What the fuck? Pourquoi ici? Bon bah on va aller voir, hein. Allons-y, hein. Écoutez, on va aller voir ça. Bannière Nouvel An. Alors, bon. Voyons voir. Alors, période de la loterie, bon, ça on la connaissait déjà, pas de problème. Alors, bien décidé à accomplir ses résolutions, Mayuri Kurutsuchi, le tout premier personnage tueur d'humains. Ah! Ah! Ils ont vraiment implémenté les killers d'humains. D'accord. Ah! Première phrase, ça commence. Ok.
On a le premier killer d'humains. Bon. Je connais quelques persos qui ont peut-être du souci à se faire selon l'affinité qu'il aura. Il est spécialisé dans les attaques puissantes bluff. Ok, donc orienté SP, attaque en distance. Il peut paralyser les ennemis avec ses attaques puissantes 1 et 3 et avec son attaque spéciale. D'accord. Donc, ah, peut-être Strong 2, ça va être une Strong de soutien ou connerie dans le genre s'ils n'en parlent pas. Apprenez la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes, le Frenzy, celle qui augmente la durée de sa paralysie, la malédiction. Et vos ennemis. On est d'accord qu'il y a un peu trop de répétition là. Et vos ennemis seront sonnés jusqu'à la nouvelle année. C'est moi qui vois. Attendez, non, je suis fatigué, c'est moi qui vois double ou il y a vraiment un problème dans cette phrase là. Vos ennemis seront. D'accord, ok. Non, c'est pas moi qui ai trop tiré dessus, rassurez-moi. Hein? Je vois pas double. Non, d'accord. De plus, son attaque puissante 2 est une technique de renforcement dont il pourra rallonger la durée, donc il y aura le soutien, il y aura le buff et tout, et tous ces incapables auront bien besoin de votre aide. Oh, mais comment que ça taille, quoi. Pff, d'accord. Ok. Très bien. Bon, ok. La reine de la soirée. Oh, Rukia Kuchiki, tueuse d'Arankar. Bien, ça déjà, ça me plaît, ça. Spécialisée dans les attaques puissantes rouges. Ok, donc elle va être au K qui est orienté SP. Son attaque puissante 2 déchaîne une tempête de fleurs aussi jolie que redoutable sur les ennemis alentour. Pourquoi il parle spécialement de cette Strong 2 là? Pourquoi uniquement de cette Strong? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déchaîne une tempête de fleurs. C'est quoi? C'est un vortex? Ça, à tous les coups, c'est un vortex, ils en parlent comme ça. Apprenez la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes, donc le Frenzy, pour devenir le centre des festivités. Elle pourra également devenir immunisée à la paralysie, la rendant très utile dans certaines quêtes. Ça, c'est génial. J'adore effectivement les personnages qui disposent d'une immunité totale à une paralysie comme ça, enfin, une altération d'état. C'est super utile pour pas mal de quêtes, notamment pour ceux qui veulent faire du solo farm. Ça, c'est GG. Son soutrait renforcé, ah, vous permettra également de regagner de l'endurance à chaque zone durant les quêtes. Oh, c'est du 25% de soins entre les tableaux. Mais pas sur Rukia, bordel, mais non. Oh, mais non. Soutrait renforcé, de regagner de l'endurance, bah oui, bah c'est ça. S'il n'était pas renforcé, ce serait 20%, le renforcé donne 25%. Oh, c'est quand même pas ça. Oh, mais mon dieu. Après, vous savez, je vais pas trop m'enflammer avec ça. Le dernier perso de qui j'ai dit ça, c'était la Rangikutek. Que ça me faisait chier qu'elle ait de la régène de soins entre les tableaux. Finalement, quand tu vois aujourd'hui l'utilité pardon, du personnage en quête de groupe, j'ai très rapidement changé de jugement. Littéralement. Bon. En attendant, tu me diras dans un sens. L'immuniser à la paralysie et se régène entre les tableaux. Si, en fait, en y réfléchissant bien, vous voyez, là, je commence déjà à changer mon fusil d'épaule. J'étais en train de dire à l'instant que le fait qu'elle soit immunisée à la paralysie, c'est un très bon bail, notamment pour de l'auto-farming. Vu ta journée, tu mérites. Merci, Snoopy. Merci. Oui, ça fait plaisir. donc, notamment, si par exemple, on peut faire du solo farm avec ce personnage-là, selon comment on la build, ça pourrait peut-être être intéressant, effectivement, qu'elle ait de la régène. Disons que la régène entre les tableaux sur de l'auto-farming, par exemple, de potions, ça peut peut-être avoir son intérêt, ça peut peut-être avoir son utilité. C'est vrai que de prime abord, c'est un truc qui me fait chier. Trouver de la régénération entre chaque tableau sur Rukia, c'est pas de délire, c'est pas trop le truc qui me chauffe. Mais ouais, dans le cadre éventuellement d'un perso qui pourrait être amené à solo farmer de manière peut-être un petit peu plus efficace, immuniser une paralysie qui peut vraiment te laisser dans de la grosse PLS, c'est très bien. C'est un petit peu comme les persos qui sont immunisés au gel finalement. Et ouais, de la régénération entre les tableaux, 25%. Faut voir. Ça s'étudie, disons, ça s'étudie. Ensuite, salut Akatsu, le gameplay de Mayuri est dingue. Tu as combien d'orbes? J'approche des 3000. Bon, continuons. Allô, merci. Il compte sur son porte-bonheur pour cette année, Anataro Yamada, donc un tueur d'Arankar très bien spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Ils sont tous P sur cette bannière, d'accord, ils sont tous orientés SP et lui ça va être au cac. L'attaque puissante 2 qui peut soigner tout en attaquant. Bon, ça, à la limite, j'y vois aucun inconvénient, c'est RP, Anataro, 4ème division, etc., etc., ça soigne, legit. Apprenez la compétence qui étend le soin, donc médic, à toute votre équipe, et ne laissez pas vos ennemis vous gêner quand vous prodiguez les premiers soins. Forcément, si derrière ça fait des dégâts, nul doute qu'il va y avoir un effet de repoussement. Pas besoin de rester en retrait avec la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes, le fleuri. Un soultrait de réduction de dégâts. Ah, il possède un talent certain. Nouveau perso spé. Avec de la réduction de dégâts subis. Ah, un Anataro qui va sûrement t'intéresser. D'accord.
Bah, on va voir sur les stats. Mon Mega Mago x2, etc., etc. Bon, on connaît comment ça se passe. Alors, Oh, l'enculé, les affinités techniques. Non. Sérieux. S'il a équilibre, ça va devenir n'importe quoi. Aya, alors attends. Il est tueur d'humains tech. A voir après comment ça se manifeste dans le gameplay, savoir s'il a vraiment les armes pour faire transpirer Chad en bref battle. Faut voir. Alors qu'est-ce qu'on a dans... Oh putain, la vache est... Ok, ça va, ils sont pas trop gavés sur le plan défensif, ça va, 1053, 367, tout va bien, c'est normal. Et 778 de spé, quoi, putain. Mayuri, Mayuri Clémentine, quoi. Le Mayuri Mandarine, le Mayuri Agrume. 7,78, quoi. Wow. 6,34 d'attaque, d'accord, pas mal. 7,78. Ok. Donc le Mayuri Mandarine, il a plus de pression spirituelle que la Yoruichi Guerre Sanglante. Narmol. Narmol. Salut à tous. Ouais, ça va, merci. Alors... Voyons voir le reste. Attaque spéciale Rosanée utilise un Konjigi Ashisoge Jizo inspiré de la danse du lion. Alors je pense que c'est la danse du lion, ok. Pour attaquer paralysant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Dans un sens, j'ai hâte de voir les gameplays après, parce que mine de rien, c'est que les spé sur les persos saisonniers, étant donné qu'il y a une certaine liberté dans la direction artistique des personnages, ça permet quand même de leur donner des poses vraiment très particulières et généralement bien foutues. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Hey Mewtwo, ça roule. Il contre rien du tout, il n'a rien à faire en PVP. Bah justement, je vais regarder un petit peu plus loin. On va s'en rendre compte parce que effectivement, c'est vrai que comme ça, de prime abord, tu te dis affinité tech, tueur d'humains. Ouh, oula, oula. Chad transpire. Attention. A voir s'il est vraiment viable en bref battle ensuite. Ah, ça c'est bien ça. Temps de recharge de 12%. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime bien. Ça j'aime. Moi les persos, tu vois, qui ont une très forte pression spirituelle, qui leur donne donc une puissance native sur les strongs. Ça j'aime beaucoup. Et que derrière, tu as un soul trait qui t'avantage sur le fait de pouvoir les utiliser le plus souvent possible. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est bien. Parfait. Ça c'est nickel. Après, voir le gameplay. Parce que c'est clair que le card design du Mayuri Orange, il est loin de me chauffer quoi. Mais alors très très loin. Je te souhaite de bonnes fêtes et joyeux Noël en retard, mais il n'y a pas de souci. Bah merci beaucoup de bonnes fêtes effectivement. Alors pour ma part également de Noël en retard. Ah non, quoique je t'avais... Bah non, justement Mewtwo, rappelle-toi, tu m'avais laissé un petit message en commentaire sur une de mes VOD par rapport à Noël, je t'avais répondu. Mais en tout cas, par avance, effectivement, une bonne année, naturellement. Meilleurs vœux, tout ce qui va bien, hein, évidemment. La santé, la famille, la totale. Continuons, alors. Oh... Oh my god, j'ai un meilleur pontier qui nous met les 20 boules. Merci beaucoup, joyeux Noël. Et j'hésite encore entre gentiment insulter ton fils ou le féliciter. Bizarrement, joyeux t'es pas Noël le seul. Et j'hésite entre gentiment insulter ton fils ou le féliciter. Mais la suite? Ah non, d'accord, c'était la fin, autant pour moi. Merci Jérémy. Ça, c'est le bon gros cadeau de Noël. Qui fait plaisir. Excusez-moi, je mets juste une petite pause de minute, je check vite fait les réglages de la cam parce que je trouve qu'elle réagit bizarrement depuis tout à l'heure. Non? Bizarre. Alors voyons, on va voir attaque normale renforcée 20%, le frenzy, l'aspect de 40%, malédiction. Oui bon, sur les skills on s'emmerde, clairement, on s'emmerde sur les skills, c'est banal. À part le soutien, évidemment. Pourquoi le soutien? Ah oui, ça strong 2, c'est vrai. Il y a une strong 2 qui fait un buff, oui, autant pour moi. Après, malédiction, bon, ok, bon, c'est super classique, mine de rien. C'est bizarre, mais je vois sans arrêt ce schéma se répéter ces derniers temps, quoi. La rapidité plus 1, on peut trop rien dire, parce que, bon, voilà, c'est comme un énormément de persos. En revanche, ça, là, Frenzy, 20% sur l'auto-combo, 40% sur les strong. Mon Dieu. Ikari-sama, oui, tout à fait. Merci, on arrive, merci beaucoup. Ça marche, Silver, merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi, bon dodo, repose-toi, et à la prochaine. J'espère que j'ai pu t'aider à te faire plaisir à toi et à tes enfants. Ah oui, en tout cas, je t'avoue que la générosité sans égale dont tu as fait part, effectivement, a été utilisée à bon escient, dirons-nous. Je te réserve une surprise prochainement, vérifie que ta chaise est en bon état. Ça flippait ma mère là. En fait, là, c'est bien parce que je sais pas ce qui va me tomber dessus, mais au moins tu as la courtoisie
de me prévenir. Donc le prochainement, tu me diras, reste relativement vague, parce que le prochainement, ça peut être dans une heure comme dans 15 jours. Mais je sais que je dois faire gaffe à mon cul. Très bien, merci, merci beaucoup. C'est... Du tout. ouais, donc du coup, j'étais en train de dire au sujet des skills concernant Yamaji, non, Mayuri, on s'emmerde un peu. Là, on voit tout le temps le même schéma se représenter. Les seules variantes, ça va être notamment par rapport à certaines strongs du personnage, comme là, il a une strong 2. Donc on va lui mettre la capacité de soutien de manière à ce que ça puisse se répercuter. Le malédiction plus 5 secondes pour la para, bon, ça, ok, c'est legit. Le rapidité plus 1, comme je disais, on peut trop rien dire parce qu'on le retrouve partout, mais... je trouve ça trop... Ça devient trop rengaine, ce genre de schéma. Un petit peu de variété de temps en temps, que diable. Mais non, mais oui, mais suis-je bête, c'est un personnage saisonnier, on sort pas les rognons. C'est un personnage saisonnier. LOL. LOL. Tu rajoutes rapidité plus 2 à la forme de soutien immunisé au gel et c'est Ichigo. Oui, j'étais agréablement surpris d'ailleurs de trouver le rapidité plus 2 sur Ichigo. Même si dans le gameplay qu'on a pu voir, ça, j'ai pas l'impression que ça se remarque vraiment. Faudra voir dès demain matin sur les tests, vous savez, les tests qu'on peut faire sur les bannières. Faudra essayer, quoi. Mais par contre, c'est pareil, j'ai pas compris d'immunité au gel d'Ichigo. J'ai pas compris. Petit plus à côté, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Passons à Rukia. Affinité instinct, Rukia, très bien. Oh là, mais c'est quoi encore? Oh putain, 370 de défense, waouh. Personnage P, ça rigole 0. 1046, 638, ouais, c'est kiff-kiff Mayuri, quoi. Avec un peu plus de concentration, je crois bien. Ouais, léger, ouais, c'est... Eh, ça se vaut, hein. Ça se vaut, hein, parce que ce qu'elle perd d'un côté, elle le récupère de l'autre par rapport à Mayuri, donc ouais, bon, ça se vaut quand même dans l'ensemble. La carte est très jolie. La carte est très très classe, j'aime beaucoup. Franchement, l'apparence et tout, la posture donnée au personnage, c'est très joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup, c'est un beau travail. Tueuse d'Aranka, donc ça c'est génial, ça par contre ça régale. Attaque spéciale, danse du nouvel an, une magnifique danse qui enthousiasme le public, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Ils ont encore dû faire un truc. Ah, GG Ota, hein. Bah eh bien, vocal d'ailleurs si tu veux, Ota. Au lieu de rester tout seul dans ton coin, tu peux venir, hein, pas de soucis. Le Ichigo des deux ans est toujours viable, il a son intérêt notamment dans la tour Senkaimon, il reste un attaquant distant assez bon dans l'ensemble, et la tour Senkaimon c'est notamment l'un des MVP de l'étage 33. Donc c'est pas mal, il va falloir voir ça. De toute façon, je me fie pas trop, en général, surtout sur les persos saisonniers, je me fie pas trop au descriptif de l'attaque spéciale, parce que, encore une fois, la direction artistique des personnages saisonniers fait qu'on peut donner une liberté un peu plus intéressante sur les personnages. Ça leur donne, encore une fois, des postures, des positions et autres, des actions qu'on n'imaginerait pas par rapport aux versions régulières des personnages. Donc ça, j'irai checker ensuite, voir ce que ça donne, quoi. Ouais, donc c'est bien ça, hein, ouais, le sous-trait, voilà, on avait bien piffé tout à l'heure dans la description, 25% d'endurance entre chaque zone. Après, voilà, c'est clairement, moi, ça, d'une part, le côté négatif, c'est que qu'est-ce que ce sous-trait-là vient foutre sur un personnage comme Rukia? Je vois pas, je comprends pas. Hein. Le nom de la musique est passé juste avant. Ah, alors, attendez, désolé, je vais la remettre, hein, c'était quoi? Je suis remonté trop loin. Ah oui, alors le titre, c'est Isolated. L'artiste Nisha. Allez, pour le plaisir des oreilles, je vous la remets. Donc, par contre, par rapport à tout ça, bon, au départ, voilà, pour moi, c'est le côté négatif. C'est qu'est-ce que ce sous-trait vient foutre ici? En revanche, quand on commence à aller dans la fiche de skill et qu'on voit immunité à la paralysie, ok, peut-être, peut trouver quelque chose. C'est-à-dire que, concrètement, si on se sert de ce perso comme d'un auto-farmer, déjà, t'as l'immunité à une altération d'état que je trouve déjà très pénible à la base, une altération d'état qui entrave tes mouvements, je trouve ça très chiant. Le ralentissement, la paralysie, le gel, c'est pénible parce que pendant ce temps-là, t'es à la merci des coups, tu te fais infiniser, c'est galère. Donc, l'immunité à la paralysie, dans un sens, ça peut être un bon bail. Enfin, c'est un bon bail, de toute façon, c'est une immunité totale, donc ça ne peut être qu'une très bonne idée. Derrière, la régène de santé entre les tableaux, ça va dépendre de comment tu la stuff, quoi. Ça peut être intéressant. Un peu trop situationnel à mon goût, mais je sais pas trop quoi en penser. En fait, je suis un peu perplexe. Kilian ASMR. The fuck. Kilian ASMR, bonjour. Comment allez-vous, monsieur qui? Qu'est-ce que c'est que ce bail? Mais qu'est-ce que comment tu es rentré ici, toi? Comment êtes-vous rentré ici, monsieur? Par la porte de sortie, en soi. Une porte est une porte. Non, c'est Ota qui m'a move. D'accord. Ah, le cochon, ah, le coquin, il en profite. Il est où d'ailleurs ce coquin là? Parce que tout à l'heure, je lui demande de ramener son cul, mais il est où? Ah, il est en train de causer dans le comptoir. Très bien, fais la causette, Ota, fais la causette. Effectivement, tu as les autres, je te laisse t'occuper d'eux. Alors, je termine vite fait au sujet de Rukia, je reviens vers toi, Light, dans un petit instant. Comme je te dis, ouais, sur le sujet de Rukia, à la limite, comme d'un perso auto-farm,
Une âme gentille sur le chat, il m'a donné le son. Oui, c'est, je disais à l'instant, en fait, c'est cette musique-là qui s'appelle Isolated. I-S-O-L-A-T-E-D. L'artiste, c'est Nisha. N-I-S-H-A. C'est une musique qui est libre de droit, pour information. Voilà. Donc voilà, je vais finir. Donc c'est un personnage qui, de base pour moi, pourrait servir pour de l'auto-farming. Son immunité à la paralysie la place quand même dans une position assez intéressante. Et derrière, éventuellement, les 25% de régène d'endu entre chaque tableau, ça peut être viable. Je me sers notamment, pour vous dire ça, je me sers notamment de mon expérience par rapport au Kisuke de la guerre sanglante, dont je me sers énormément pour farmer des potions bleues. Il est extrêmement intéressant de par déjà le côté protected de sa spé et par son immunité au poison. Le fait qu'il n'ait pas de régénération de santé entre les tableaux, ça fait qu'au bout d'un moment, il prend quand même des claques. C'est pas un perso que vous allez stuffer comme un perso attaque qui, automatiquement, avec des items type Chappie par exemple, va se retrouver à développer un côté tanky, tant sur le plan de l'endurance que sur le plan de la défense. Un perso orienté pression spé, c'est pas du tout les bails. Ils ont une fragilité native qu'on peut malheureusement pas forcément énormément compenser. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de l'augmentation d'endurance. On peut rendre un peu plus efficace, évidemment, la partie offensive du personnage en gonflant tout ce qui va toucher à l'attaque, la pression spirituelle et la concentration dans une certaine mesure. Là aussi, c'est encore une question de stuff que vous allez mettre dessus. Mais pour le coup, ce fameux Kisuke, s'il avait pu avoir de la régénération de santé entre les tableaux, ça lui permettrait d'avoir un petit peu plus de durée sur la longueur de la run. Puisqu'il y a des moments où il va réussir à tout avaler solo, il va tracer à travers tout droit sur le moindre problème, mais il y a un moment où bah, les conditions de quête lui sont pas forcément favorables, il va prendre la max, peut-être à la deuxième room à peu près, deuxième, troisième room, et du coup c'est les mates derrière qui vont prendre le relais. Donc je me dis que peut-être avoir la régénération de santé entre les tableaux, ça pourrait peut-être donner, on va dire, entre guillemets, une sorte de sursis au personnage. Maintenant, il faut vraiment que le perso soit stuffé as fuck. Hein. C'est-à-dire que moi, clairement, l'avantage de Kisuke, c'est que d'une part, il est ouvert en triple 10, je lui mets que des links de réduction de temps de recharge, et il a déjà du 12% de temps de recharge natif. Donc, il passe son temps à régénérer ses strongs à une vitesse pas croyable. Donc, c'est ça qui est très bien avec lui, c'est qu'il peut largement enchaîner. Maintenant, avec ce perso-là, partons du principe qu'on lui met, je ne sais pas s'il n'est pas ouvert triple 10, un triple 14 pour essayer vraiment de maxer le temps recharge. Ça fait quand même une belle perte hein, sur la régénération des strongs. Après, à voir sur le gameplay, il faut voir. Il faut voir comment le gameplay reflète un petit peu les aptitudes du personnage. Tu lui mets le petit Oryu Frenzy, le Yoruichi de Byakuya et hop, go to farm. Le Oryu Frenzy oui, qui fait de la régène entre les tableaux, effectivement. La Yoruichi qui fait. Bah, d'ailleurs, Oryu fait régène, et temps de régène entre les tableaux et temps de recharge. Yoruichi fait temps de recharge et strong, enfin augmentation des attaques puissantes. Et Byakuya, tu parles duquel Byakuya? Le Byakuya rouge? C'est lequel? C'est pas le tag team, c'est le Frenzy qui fait la même chose que Yoruichi mais dans des proportions différentes. C'est Echo? Non, c'est pas une vidéo en live, c'est bien en live. Merci. C'est une VOD. Ouais, salut. C'est une VOD en live, oui, et coucou, bonjour. Bonjour Echo. Bonsoir. Echo. Bonjour. Donc, à voir. Je vais rester pour l'instant là-dessus. On va aller voir les gameplays juste après. Mewtwo, j'ai vu ta question, on va aller voir les gameplays. Je termine vite fait le descriptif des personnages, et naturellement, on va aller voir les gameplays directement sur Twitter. Nous passons à... Non mais c'est un sketch? Quoi? Il a réellement ce genre de stats? Réellement? Really, nigga? Salut, Cloud. Ah, ils ont pas plaisanté pour un Ataro. Je garde en tête, vous voyez, on va parler d'un personnage comme ça aussi qui a, on a longtemps espéré, contrairement à un Ataro, sa parution en 5 étoiles. Je vais parler de Shojiro. Le Shojiro Tag Team. Mais attends, t'as pas vu son sous-outré? Si, je l'ai lu dans la description tout à l'heure, je sais qu'il fait la réduction de dégâts subis. le Shojiro Tag Team. Allô? Oh, cette sourasse, quoi. On en parle du personnage du vice-capitaine le plus pété as fuck de toute l'histoire des 13 divisions, qui a même pas des stats pareils. Enfin, le vice-capitaine le plus pété, il se fait même pas respecter, même dans l'anime, hein, tu m'excuseras. Ni même dans le manga. Il a un lore précis autour de lui, monsieur, calmez-vous. Oui, il a un très beau lore, ça je dis pas. Mais bon, dans l'anime, ni même dans le manga, il se fait respecter. Hein. C'est pas grave, comme le dit le prophète, les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, tout ce que je vois, c'est que sur le papier, il est God-tier. Petit loot du soir et bonsoir, merci Kuntach, merci beaucoup. Je ferai un petit point sur les loots que j'ai loupés, évidemment, juste après.
j'ai loupé des choses. Tous les titres de la chaîne La Musique Libre sont libres de droit. Oui, 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 oui. Alors, il y en a certaines, il faut faire gaffe. Il y a des conditions bien précises. Regardez la description de chacune des musiques de La Musique Libre, puisque certaines ont des conditions précises. Moi, celle que je prends, c'est classique, parce que l'auteur demande juste à être crédité dans la description. Donc, faites gaffe quand même. Continuons. Putain. Ah non, enfin, continuons. Oui, si, on va continuer. Hein. Depuis le temps qu'on est en train de phaser sur les stats, je pense qu'on peut largement passer à la suite. Attaque spéciale de l'efficacité des porte-bonheur poursuivie par Bonnie. Bonnie. La Bonnie de... Comment il s'appelle? Oui, oui, de Ganju. De Ganju Shiba. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle fout là? Tu peux monter ton son, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, la question est si gentiment... poser, il y a s'il te plaît à la fin, je ne peux que dire oui. Tu peux aller te faire foutre s'il te plaît? Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Ouais, il y avait s'il te plaît à la fin. Oui, pas mais... très, très gentil hein, ce chat. Hein. Avantage streamer s'il te plaît. Donc Bonnie avec un ataro. Ok, il se retrouve sur son dos alors qu'elle charge les ennemis leur infligeant des dégâts colossaux. Un ataro sur le dos de Bonnie. On libère la même chose là. Ouais, c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut voir l'aspect, ça doit être goldé. Sous le trait, donc ouais, merci, ça va, Cimer, hein, 16%, allez, Joël, oh. Cimer, des bisous. D'accord. Allez, salut, ça régale. Taillez-vous le bras, s'il vous plaît, monsieur. Oh, vin de merde. Ah. Oh putain. Ah, je vous avoue que ça m'a fait bizarre, c'est quoi cette couleur dans le chat, le gros encadré rose? Yup, G, j'espère que tu auras autant de luck que moi pour tes prochains pulls parce que j'ai droppé. Eh bah, ils sont chauds. Un golden chapi vert et un golden yuki vert dans des tickets premium. Un golden chapi vert et un golden yuki vert dans des tickets premium? Comme ça, cash quoi, dans des premium. Il m'a fallu 10k putain de tickets toute nature confondue pour réussir à avoir un putain de golden papyrus. D'accord. Merci pour les 50 boules, Vulcain, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Quoi, j'ai pas prévenu qu'il fallait pas que... Hein? Pardon, excusez-moi. Allô? Allô? Ah, allô? Il a qu'on perdu des... Pardon. Mais Wow. Ah ouais, jusque alors... Jusque-là, mes oreilles étaient vierges. Hein. juste une question. Vulcain, t'as mis combien de tickets? S'il te plaît. Bah deux, hein, logique. Bah, tu sais que j'ai commencé quand même à bégayer en le jour où on m'a dit que quelqu'un avait droppé un golden sur des tickets bronze. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Un délire. En 30 tickets? Quoi? Oh là, oh là, 30 oh là, tickets oh là. Premium pour deux golden? What? L'autre coup, j'ai fait une tournée de 1000 et j'ai rien eu, même pas un 4 étoiles. Je rage quitte le stream. Incroyable. Et bien sûr, hein, les deux dans le même tirage de 10, attends. Ah, excusez-moi, j'avais balancé le moyen de vous écouter. D'accord. Ah ouais, quand même. Pas bien joué, hein. En 30 tickets. What the fuck. Le chat défile plus. Oh, Vulcain, tu m'as planté le chat. Incroyable. Attends. Ah, ça devrait se régler. Ah, bougez pas, il va se reboot. Voilà. Voilà, 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 voilà. Mais en tout cas, GG. Là, gros GG. Hein. 30 tickets, c'est énorme. Enfin, c'est pas beaucoup, mais pour 2 golden, c'est génial. Laurent, les items golden, ce sont les items dorés. C'est tout simplement la quintessence des items tant recherchés par les joueurs. Tu as droppé un item doré. C'est très bien, tu es over bien. Sinon Guy, tu peux répondre à CodeFR62, là il arrête pas de spammer sa demande, là ça m'énerve. CodeFR62... On peut venir en vocal. Ah d'accord, alors attendez, deux petites secondes, j'aimerais juste qu'on en finisse avec ça, on passe à la phase gameplay, et après évidemment, vu qu'il va falloir qu'on en cause un petit peu avec nous, naturellement, pourquoi pas prendre des gens en vocal évidemment à ce moment-là pour pouvoir en parler en direct, ça pourrait être davantage convivial. Mais on va juste en finir avec cette phase-là, je sais que ça traîne un petit peu en longueur, mais c'est vrai que c'est un peu plus long forcément que lorsque je le fais en VOD, c'est un peu comme l'histoire des poules, en VOD ça se fait en 10 minutes, et voilà. Les golden c'est des items dorés, merci Guy. Ben oui, mais la question a été posée, c'est quoi les golden?
Bah, tu précises entièrement. Personne néophyte qui ne connaît pas le sens de cette classification golden, il faut bien lui expliquer. Mais non, Luke 10, il ne s'énerve pas. Ah, croyez-moi, vous voulez pas le voir énervé. Hein. non. Non, non. Oh non. Hop ça. Hein, allô ? Hop ça. Fais reset. Oh, d'accord. Bon bref, allez, passons à la suite. Donc matériaux nécessaires, on va pas regarder dessus, on s'en fout, on est arrivé au bout. Si par contre, oui, qu'est-ce qu'il avait? Ah, il a 20% de portée en plus, pourquoi c'est un auto-combo d'ici dégueulasse que ça, pour qu'il ait de la portée? Ou alors c'est peut-être le... l'animation du combo qui veut ça, peut-être. A voir. Il est cac, lui, de toute façon. Oui, le seul distance, c'est Mayuri. Donc lui, il va être cac. Ok. Attaque puissante déchaînée, là, vous voyez, bon, soin étendu, bon, le médic, hein, forcément, le fameux. Très bien. Le chat, il a encore cassé, Guy. Oh, mais bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe avec le widget, là? Allô? Ouais, t'inquiète, code FR, hein. C'est vrai, non, mais dans un sens, t'as raison, parce que c'est vrai que là, avec 822 personnes, mais qu'est-ce que vous faites tous, là? Vous êtes perdus? Qu'est-ce que vous faites, là? Incroyable. Et là, à la fin de cette phrase, dès lors, avec le décalage YouTube, ce sera réduit à zéro. Moins 500 personnes. Je suis désolé, Guillaume l'a demandé. De quoi? T'as rien vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Hop, ça vénère-toi, je veux un taux. Je fais un time-out, il est con lui aussi. Bon, ok. Il m'a demandé. Ah, ça a été demandé gentiment. Voilà, à partir de là... Bon, ce chat est toujours cassé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, mais le chat, il est broc, hein, littéralement. Je peux rien... Et là, je peux rien faire. Hein. C'est le widget qui déconne, là, je peux rien faire de plus. Hein. Ah. Ouais, c'est moi qui fais bug le chat, apparemment. Ah. Il a l'air d'être parti. Alors, Nishiku, Usaki, ce que je disais à l'instant, un code, ça s'applique pour tout le monde. Écoutez un petit peu, s'il vous plaît, bande de dissidents que vous êtes. Bon, il a l'air d'être parti. C'est pas grave, il est juste Shuroichi. Ah oui, je me doute bien que parmi vous, il y en a qui feront pas les fines bouches, hein, qui se contenteront du background. Hein. Bon, où est-ce qu'on peut avoir les gameplays? Twitter, je présume? Bah, tu vas dans le channel nouveau. Le channel Nouveauté sur Discord, c'est posté. Ouais, mais je crois qu'il y a un downgrade de la qualité sur Discord par rapport à Twitter. Ouais, bah va directement sur Twitter alors. Il me semble, hein, je vais pas dire de conneries, hein, mais je vais quand même aller dessus pour voir. Je suis quand même globalement déçu de Ichigo quand même. Vous êtes jamais content. Les infos commentaires sur ta vidéo de Bleachjap, ça se fera aussi sur la globale. Oui, hein, ça concerne tout le monde. Hein. Le Ichigo, pour moi, il manquait quelque chose. Je sais pas. Il est pas mal. Hein. Il présente des choses qui, moi, me font des petits effets intéressants au niveau du bas-ventre, mais je sais pas, il manque des choses. Pour moi, le coach Quincy, il est là, mais pas entièrement. Le gameplay est super, super joli, tu vois, mais il manque un truc. C'est ça que... Mais vous en demandez trop aussi, en fait. Bah puis, ouais, mais... Vous aurez la version trop. Une fois après que ça fait downgrade, vous allez râler. Il n'est pas encore sorti. Il sort demain, je crois. La Strong 2 moi, me fait bégayer. Hein. C'est quoi cette Strong 2 de Beach Brave Souls V1? Bof. Bah non, c'est en soi... Bof. Hein. Oh. Bof. Ça va, quoi, de toute façon... Vous allez râler. Vous êtes en train de râler par rapport au gameplay. Vous allez choper, vous allez jouer. Faites pas voir. Bien sûr, je vais le jouer. Bien sûr que je vais le jouer. Naturellement. Alors, on commence du coup. Bah, je vais chercher les gameplays. On va commencer par Mayuri, hein, vu que c'est le premier qu'on a vu. On en parle de la croix gammée. Donc, Rix, je vais t'apprendre un truc. Ce n'est pas une croix gammée, c'est un svastika. C'est un symbole de puissance. Ça n'a rien à voir. Donc avant de dire ce genre de choses, arrête de te baser sur tes cours d'histoire de 5e et va te renseigner sur Google. C'est bien aussi. Yeah. Hop. Non, tu ne te lances pas. Tu vas venir devant les yeux de tout le monde. Hein. Yeah. Non. Ta mère. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre Discord ici, puisqu'apparemment ce truc est résolument décidé à me casser les noix. On va voir, parce que là j'ai l'impression que pour une fois, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de downgrade de qualité, donc on va en profiter. Alors, la musique, par contre, tu vas gentiment te taire. Hop. Le son, ouais, il a pas l'air trop fort. Alors, ouf, aussi, en fait, il y a un gros downgrade dégueulasse. C'est une croix gammée. Non, c'est pas une croix gammée. Eh,
Arrêtez, c'est pas une croix gammée, allez vous renseigner, merde. C'est pas une croix gammée. Cherchez croix gammée sur Twitter. Sur Twitter. Merci Axel pour le. Tu vas tomber sur des, dans des bails sombres si tu tapes ça sur Twitter. Non, c'est clair, vous allez tomber dans des trucs. Ce n'est pas une croix gammée, c'est un svastika. Putain, c'est con à dire. Svastika. Vous cherchez sur Google croix gammée et svastika, ça n'a rien à voir. Épargne-toi cette peine. Non, mais au bout d'un moment, faut être logique, quoi. On va. Faisons un petit quart d'heure instruction. Allez, le point Godwin, quoi. Putain. Svastika. Regardez. Ah oui, d'accord. C'est génial. Deuxième sujet de recherche, svastika nazi. Tout va bien. Alors. Le. Oh, il est écrit. Et forcément, ça a été dévié. Alors, voyons voir. Wikipédia. Source sûre d'informations, comme tout le monde le sait. Le svastika, issu du machin, et la variante orthographique, on s'en bat les couilles, avec son symbole asymétrique, on s'en bat les genoux, est un symbole que l'on retrouve en Europe, y compris dans l'art chrétien et... Reggae Knight, qui nous met 10 boules magiques sur la table. Merci beaucoup, laisse ton fils poule. Lui aura la chance que tu n'auras pas. C'est fort probable. Ça, c'est méchant. C'est fort probable. Non, mais il a pas tort. Il a pas tort. Non, c'est pas tort. Merci beaucoup. Laisse ton fils poule, lui aura la chance que tu n'auras pas. Merci. À chaque fois qu'il y a Stoyphon dans les QDG, c'est une dinguerie. Oh, oui. Alors, file sur avec ce truc. Y compris dans en Afrique. Que l'on retrouve donc en Europe, en Afrique, en Océanie, aux Amériques, Amérique précolombienne, chez les Mayas, etc. Et en Asie jusqu'en Extrême-Orient. Il apparaît à l'époque néolithique pour la première fois dans la préécriture de la culture de Vinca. Cette ubiquité temporelle et spatiale lui a parfois valu le nom de symbole universel. On peut se la faire à ASMR hein, si c'est plus clair pour chacun. On peut le décrire comme une croix étant composée de quatre potences prenant la forme d'un gamma grec en capitale, d'où le nom de croix gammée qui lui est parfois donné. Ok ? Croix, gamma, alphabet grec. Ok. Le symbole est actuellement utilisé en Asie et particulièrement en Inde. Dans l'hindouisme, il possède de nombreuses significations sacrées. Il représente notamment le dieu Ganesh. Il est toujours un symbole omniprésent chez bouddhistes et il est le symbole premier du jaïnisme. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Considéré par ses adeptes comme le plus favorable de tous les symboles. En Chine, il symbolise l'éternité. Il est aussi fréquemment visible dans les temples statuaires, décorations, motifs vestimentaires de l'ensemble des pays bouddhistes d'Extrême-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. À quel moment vous voyez des références nazies ? Ah oh bah tu me diras, il y en a bien qui croient que la Terre est plate, donc il faut tout pour faire un monde. Oui, c'est pas faux. Bon, après, on va pas se mentir, il y en a, mais regardez, vous voyez cette photo, voyez cette image. Vous croyez qu'on s'amuserait à tatouer une croix gammée sur la gueule d'un môme ? Et le caractère ban en japonais, il me semble, kanji, c'est un svastika, il me semble. Je ne sais pas. Le ban de Mankai. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à vérifier. Il faudrait que je vous retrouve des cinématiques de spé, enfin pas de spé, mais d'invocation. Quand vous invoquez un personnage, quand il est question d'un bankai dans les kanji qui sont notés, vous verrez un svastika. Mais tu te rappelles, tu sais, les énigmes qu'on avait pendant un moment, là, oui. Au début de... Où à un moment, on avait eu des cases, et il fallait faire justement un svastika pour continuer l'énigme. Alors, Georges, en fait, le problème, c'est pas que les gens ne le savent pas. Évidemment, on peut pas tout savoir la science infuse. Mais c'est que les gens font directement des raccourcis à défaut de comprendre de quoi il s'agit vraiment. C'est ça qui est gênant. Donc après, évidemment, il y a eu d'autres... On va pas se mentir, c'est évidemment ce symbole-là qui, derrière, a été dévié de son... Ouais, non, mais c'est ça, Chine. Premier, de sa signification première. Voilà. Ils ont vu le Blood Vein en grand, alors que la garde du Zanpakuto, d'Ichigo, c'est un svastika. Au bout d'un moment, faut arrêter. Quoi. Ah voilà, là, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Ensuite, on a évidemment le rapport. Alors attendez, par contre, ça, je suis désolé, je vais pas le laisser apparent, et c'est hors de question. V'là l'expert en histoire, Yaouyou. Ah non, juste pour préciser que c'est pas le même symbole, elles sont pas orientées dans le même sens. Hop, oui. On efface ça. Alors, justement, il y a un chapitre référent au nazisme. Adolf Hitler s'est servi de la croix gammée comme symbole de l'arianisme. Le drapeau nazi comprend une croix gammée inclinée de 45 degrés, etc., de couleur noire sur un disque blanc exactement au centre d'un drapeau rouge. Elle est alors appelée croix gammée nazie. Donc il y a effectivement
La précision additionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'importance et de l'extrême violence des crimes perpétrés par les nazis, les représentations de la croix gammée sont évitées comme motif de décoration en Europe, alors qu'avant le nazisme, les frises avec des croix gammées en Europe ne connotaient évidemment rien de négatif. L'utilisation de la croix gammée nazie est d'ailleurs réprimée par la loi dans plusieurs pays européens. Donc, si on fait un petit résumé de tout cela, les croix gammées, toujours issu effectivement de la signification avec l'alphabet grec, tout ce que ça représente dans les différentes formes hindouistes, etc., ça avait une signification, une connotation précise, particulière et culturelle. Cependant, ça a été effectivement dévié de son usage premier, de sa signification première par un odieux fils de personnage d'un. Et suite à cela, malheureusement, eh ben, tous les gens ont gardé évidemment en tête la seconde signification de ce symbole. Bah voilà, Akatsu, franchement, bah, si t'en as marre, tu peux partir. Je te retiens pas. Oh non, stop, commencez pas à balancer ce genre de pique, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et voilà, comme l'a écrit Monsieur Roborom 13, Bankai en kanji, c'est comme ça. Merci. Si on dessine une croix et qu'on dit que c'est un svastika, bah, c'est à toi de le préciser. Regardez, je vous ferai remarquer que ce n'est pas la même chose. Regardez. Vous voyez comment non, sont c'est, les symboles? C'est pas le même. Regardez, la croix gammée, elle est inclinée elle à 90 degrés. Elle est inclinée, c'est-à-dire que là, vous prenez le symbole qui est ici, vous l'inclinez de 45 degrés. C'est là la différence. C'est là la différence. Bon, je vous propose de passer à autre chose. Est-ce que l'on peut ? Les gameplays, oui, effectivement, Drift City. Si nous passions à autre chose, revenons au gameplay. Revenons au sujet qui nous intéresse. Donc, par pitié, pas de raccourci culturel, quelque nature que ce soit. S'il vous plaît. Ça serait dommage pour l'histoire, quand même. Posez des questions. N'affirmez pas. Au contraire, posez des questions. Soyez curieux. Soyez vif d'esprit. Mettez votre curiosité... Mettez la curiosité au sein des bonnes causes, au service des bonnes causes. Posez les bonnes questions. Alors, poursuivons. Nous étions sur le gameplay de Maille Orange. C'est vrai que j'étais déjà en quittant d'un instrumenté à sa manière. Point. Exactement. Molden Eyes. Parfait. Très bien, merci. J'ai envie d'une orange, Guy. Parfait, ben je vais t'en servir une de ce pas. Allons-y. Oh putain, pourquoi ça me fait ça? What the fuck? Alors j'espère que ce sera pas trop fort sur le shot. Ya, watashi da yo. Wow. Shokun. Akemashite omedetou. Ah d'accord. Oh le teaser le gameplay, ça. Je vois Shashi Tsugi Jizo. Oui. Ah, d'accord. À quand Neutra qui chevauche Neliel? Ah bah ils ont fait Nel Poney, bah pourquoi pas un... C'est un peu fort. Je vais baisser un petit peu. Je vais baisser. Rassurez-vous, je vais baisser. Il chevauche Ashisogi Jizo sur son gameplay. Et il y a un problème avec Star Wars et Bleach Brothers en ce moment, parce que après le Komamura Stormtrooper, vous avez vu les rayons qui sortent des yeux d'Ashisogi Jizo sur l'aspect? C'est vénère. Alors, la liberté de mouvement, en effet, incroyable. Attendez, on se la refait. C'est joli, en attendant, c'est joli. Ah, oh, c'est classe. La Shisuke Jizo avec des cornes en plus, quoi. Donc, Strong 3, très bien. Oh, ah, c'est pas un full stand, non, c'est pas un full stand à Strong 3, mais très large. La Strong de boost est très jolie. Et des dégâts, d'accord, sympa. Oh, la Strongine, elle part loin. En trois directions différentes. Quatre coups, hein. C'est la même cadence de tir que le Gin Spirit Society. Même cadence de tir. J'aime beaucoup le design de l'autocombo, c'est très joli. C'est très très joli. En fait, c'est un Yuzu. Le Yuzu, ça se rapproche pas plus du citron, en principe, non? Le Yuzu est un citron. Oui, voilà, c'est de la famille des citrons. Ok. Mais c'est joli. En attendant, je vous le remets. La qualité d'animation,
C'est très joli. C'est très bien fait. C'est What the fuck sur 20, complet, mais c'est joli. Donc ouais, la Spawn 3, bon, pas de full screen. Hein. Faut peut-être repenser un petit peu avant pas rendre le perso trop pété non plus. Tueur du marre, hein, prends-le, premier de son genre. Il fait des petites toupies sur lui-même quand il fait la Spawn de boost, quoi. La Spawn 1 est très sympa, quoi. Elle part loin, pas mal de coups sur le cross niveau. La Spawn 1, par contre, dans un autre genre. Ouais, regardez. Mais tard. La Spawn 1, ça fait un peu penser à celle de Kisuke. Au niveau des effets, hein, pas au niveau de l'animation. Et puis l'auto-combo boule de bowling. Ouais, avec une cadence identique, grosso merdo, à celle du Dean Spirit Society. Par contre, j'ai pas remarqué de différence sur l'auto-combo. Attends. D'habitude, il y a une différence visuelle avec le dernier coup de l'auto-combo. Chez lui, il y en a pas. Merde, je peux revenir assez loin. Allez. Ah si, peut-être la traînée. Ah oui, si, il y a une petite différence. Regardez bien, les trois premières boules, il y a des espèces de petites étincelles, petits éclairs qui sortent. La dernière, on dirait des confettis. Ah ouais. Ah, c'est pas évident à déceler. Hein. C'est pas évident à déceler. D'accord. J'ai vu des gens qui disent que cette bannière revient apparemment et que c'est indiqué dessus. Oui, tout en bas. Ah bah j'ai pas vu quand on était sur le jeu tout à l'heure. Non, bah normalement il l'a zappé. Attends. C'était écrit tout en bas. Ah bon ? Tu sais, c'est comme toutes les bannières saisonnières, elles reviennent un petit peu après en général. Ouais. J'ai pas fait attention à ça, je t'avoue. Le son est fort, tu peux éventuellement le baisser s'il te plaît. Oh bah c'est pas qu'éventuellement, c'est je vais le baisser effectivement. Ça ne sera pas qu'une éventualité, ce sera du concret. Alors participer, les personnages envers son nouvel an ne seront pas jetés, à l'exception de l'attaque spéciale de mon cul. Spéciale dans notre nouvel an seront disponibles à nouveau dans une loterie prévue pour le mois de mars au plus tôt. D'accord. Très bien. Bon, parfait. On en parle qu'on est 900. Heureusement que ça ne dévie pas comme hier. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Vous vous êtes perdus? Incroyable. Non, restez, je vous en prie, c'était une blague. Calmons-nous. Revenons au gameplay. Bon, dans l'ensemble, Mayuri, vous en pensez quoi? Alors attendez, ce qu'on va faire, on va le mettre en ferme ta gueule de zone, Mayuri, on va le laisser tourner en... Oui, bravo. Bah, il est marrant. Je suis un connard? Oui, voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Clairement. Vous en dites quoi? Il est marrant, il est rigolo. Le gameplay, moi, me fait rire. L'aspect est sympa. C'est bien animé, je trouve ça très joli, franchement, c'est un beau boulot d'animation. Par contre, j'avoue que le Hachisogijizo laser, je m'y attendais pas. Hein. Ah oui, le Hachisogijizo étoile de la mort, fallait le voir venir. C'est même pas étoile de la mort, on dirait le rayon tracteur de Ghostbuster, à la couleur près, quoi. Un truc de fou. Mais alors, et ça améliore vachement l'animation 3D quand même, vraiment. Ah, c'est, non, mais ils font un boulot de cinglé, les mecs, hein, c'est assez impressionnant. Mais derrière, c'est comment dire, c'est le côté... Mayuri qui chevauche Hachisogijizo, mais en fait, enfin Hachisogijizo, une version miniature, parce que rappelons qu'à la base, Hachisogijizo en forme Bankai, il est colossal, il est énorme, il est gigantesque. Là, il chevauche une petite version miniature. Il y a un drap dessus, on distingue même pas les pattes du personnage, enfin du Bankai. J'irai pas voir ce qu'il y a dessous pour ma part, mais c'est... Ouais, d'accord. Bon, par contre, ça, l'animation du Hachisogijizo quand il se dépasse, c'est la même que Bonnie, quoi. J'ai jamais joué avec Bonnie, je peux pas te dire. Mais tu confirmes en tout cas. SG, tueur de Tchad, je vois pas pourquoi ce sera tueur de Tchad. Bah disons que sur le papier, il pourrait le considérer comme en étant il un, pourrait... parce que Tchad est humain vitesse, on a un tueur d'humain tech. Donc avantage killer et affinité. Mais maintenant, ouais, mais je vois pas aller lui, clairement, vous voulez le mettre en bref battle? Ah non. Ouais, bah il va le toucher une fois le Tchad et après il va se faire enchaîner. Hein. Mais même pas, imagine, tu le mets en leader face à un mec qui a un Tchad en team leader de son équipe. Le Tchad, il va faire quoi? Il va te balancer une Strong 3, pouf, cancel. Oh merde, Mayuri va vouloir attaquer, Tchad, Strong 2, pouf, cancel. Mayuri va vouloir lancer derrière, pouf, Strong 1, cancel. Oh bah merde, et puis après, il va se passer quoi? Oh, infinisation, incroyable. Oui, parce que rappelons quand même que même si Tchad n'est pas avantagé par l'affinité, il est killer capitaine. Yep. Il va se faire laver le cul en PVP, ce personnage, hein, clairement. Il aura eu un équilibre? Peut-être. J'aurais dit, il a peut-être des chances de réussir à faire quelque chose. Il n'a pas. Il va rien faire en PVP, ce personnage. Ah non. Bah si, il va se faire souffler dessus.
Après, amusez-vous, hein. Franchement, faites un test, hein. Chopez-le, mettez-le, je sais pas moi, full perfection, triple 25 dégâts d'attaque puissante, mettez-lui votre stuff le plus goldé et allez le tester, hein. Mais moi, le perso Ouais, à je jouer pense comme pas. ça, c'est un beau perso de la collection, par contre, très joli. Sur le papier, c'est un tueur de Tchad. Dans la pratique en brave battle, puisque c'est clairement le seul endroit où il pourrait le croiser, je vois pas à quel moment il représenterait un danger pour Tchad. Premier loot d'un vieux vers silencieux, continue le bon boulot Guy, j'espère que tu passeras une superbe fin d'année. Merci docteur Disper. Effectivement, ce n'est pas un blast que j'ai l'habitude de voir arriver dans le chat et messages loot. Bah écoute, je le souhaite aussi, en tout cas, ça en prend la bonne direction. Et je t'en remercie et te souhaite pareillement pour toi-même. Hein. Mayuri, c'est pas un tueur de Tchad. Bah, disons que Raikkon, si tu en fais sur le papier, pourrait considérer comme tel, dans la mesure où on a un personnage humain vitesse versus un killer humain tech. Donc avantage affinité et killer. Mais en bref battle, c'est mort. C'est juste mort. Quand je disais Mayuri va balancer une Strong 3, ah, pas de bol, Chad l'aura cancel avant. Il va vouloir balancer sa Strong 2, pff, pas grave, Chad va le cancel toujours. Strong 1, idem. Et après il va se passer quoi? Ah, plus de Strong. Bah allez, on va au cac. Chad, il est killer capitaine, il va lui mettre ça. Comment vous croyez que Mayuri, comment vous croyez que Chad arrive à déglinguer des Yamaji en bref battle? Ben, il n'y a pas de mystère à un moment donné. Hein. En contre-affinité en plus. En contre-affinité, bien sûr, mais grâce au killer. Et grâce au killer. Ils Très sont très rares fort les ce persos chat. spé qui arrivent vraiment à se tailler une part du lion en brave battle. Hein. Et je regrette de vous dire que ce sera pas Mayuri et les enfants. Hein. T'as Iwatch et Kenpachi Bankai. Deux Et persos le connaissances. Lucario des 3 ans. Oh, le Kira des 3 ans aussi. Lucario des 3 ans arrive à faire de très très bonnes choses. Je prends de grosses dingueries des fois en brave battle avec Lucario des 3 ans. À savoir, sur 2 sur 3, il y en a 2 qui ont équilibre et puis un qui a 10 boucliers, quoi. Voilà. Ah, Iwatch, ouais, enfin. heureusement qu'il n'a pas équilibre, hein. Mon dieu du cul. Ah bah, alors là, mec. Mais par contre, après, pour rester objectif par rapport au personnage, clairement, le Mayuri, j'aime beaucoup son apparence, son design, l'aspect est magnifique. Le gameplay est très rigolo, c'est du perso what the fuck sur 20, quoi, c'est marrant. Mais ouais, c'est tout. C'est un beau perso de la collection, dans des beaux habits, bien présenté, très classe. Mais. Raiken après. Dans le genre, bah justement, ouais, Raikkon, on se fait les deux derniers gameplays. Si tu veux passer après, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, en matière de classe, là, j'en attends beaucoup de Rukia. Allez, stop avec le sound design, s'il vous plaît. Sound design, on dégage, je pense. Allez, c'est parti. Mairimasu. Oh! C'est joli. C'est joli tout plein. C'est la vie tout plein. Oh, c'est un bébé en fait. Large avantage pour de Dieu. Il est petit. Il est pas mal. Oh! Il me fait penser un peu au Vortex de Yukio. Je sais pas si. Le Yukio orange? Ouais, connaissance. Moi je l'ai pas, je m'en rappelle pas. Attends, j'ai baissé un peu le son parce que ça me semblait un peu fort. Je remets. L'aspect est très joli. Hein. Elle est très très belle. C'est très classe. L'aspect comme le perso. Attends. Remets sa 33 là? Elle parle de son frère dans sa 33. Elle dit Oui, bien. Elle gueule après lui. Elle dit bien Nissama, ouais, je suis pas fou. Elle lui gueule après, elle dit quoi exactement? Je sais pas, mais elle lui gueule après. D'accord, donc faudra peut-être être attentif au lore du personnage. Ah putain, je dis Nissama. Merde, ouais, Nissama, ouais, c'est ça. Bon, j'entends qui ça. Le vortex est très joli, très large, très grosse range, franchement, pour un vortex. Il dure pas assez longtemps, il est ridicule. Normalement, faut arrêter de penser au QTV. Y a pas déjà un perso qui t'amène son auto-combo par un vortex? Un petit tornade, là, un petit tourbillon comme ça, là. Bah, si. Ça me dit quelque chose, non? Bah, la Rukia, mais version yokai. Ah ouais?
Yogi, je suis au comptoir. Sans bien encore, tu peux me move. Ah merde, Light, il est parti. On a perdu Light. Tu peux le move, mon petit? Yep. Merci je beaucoup. Je savais pas qu'il était parti. Mais non, il est là, Light. Il est avec nous. Ah, il a... non, mais il a peut-être un bug. Hein. Il a peut-être bugué. Hein. Light, si tu nous entends, il faudrait que tu puisses fermer et relancer Discord, s'il te plaît, parce que je pense que tu dois avoir un bug. Parce que pour nous, t'es toujours avec nous. Rukia, elle dit, je peux me débrouiller toute seule, grand frère. Ah, tu vois, il est là. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai essayé d'écouter le sound design pour essayer de traduire. Ah, ok. Pépiette. C'était pas Light, alors? Non. Le message. Bah, si. Ah non, mais parce qu'en fait, j'avais envoyé un loot parce que tu me répondais pas quand je t'avais répondu, puis j'ai demandé à Ota de move. C'était il y a une heure. Voilà, comme je te dis. Bah, comme tu m'avais dit hier, ouais. Alors, je relance. La ligne, il y a eu la couille. J'avoue que ça se paye. Donc, si je peux me débrouiller tout seul, grand frère. Oui. Bon, à quelques traductions foreuses près, quoi, mais en gros, t'as vu. Genre où je peux le faire, je peux me débrouiller vite. En gros, c'est fous-moi la paix, je vais les merdes. Exactement. La portée de son auto-combo, c'est insane. C'est n'importe quoi. C'est fou où il va. Regarde ça. Est-ce que Ota est chaud pour la marche P5? Bah, je t'avoue qu'elle est classe, elle est très très classe, elle est jolie. C'est le Byakuya Full Brain qui a un petit vortex comme ça à la fin de son auto-combo, sérieux? Il me semble, je l'ai droppé récemment, je crois que je l'ai joué, je suis pas sûr. D'accord, salut Gus. Vortex élargi, ah oui, il est très très large le vortex, hein. Il a une sacrée range. Hein. On va revenir dessus là vite fait. La Spongebob est très simple, hein. Très simple, mais très sympa aussi. Gros full screen, très bien. Qui, dans une certaine mesure, n'est pas sans rappeler certains aspects de la Strong 3 de la Yoruchi de Noël. Ouais, mais elle fait pas du drift. Non. Elle fait du drift que sur sa Strong Yoruchi. Taisez-vous. Strong 1 reste sans doute assez simple, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la range de la Strong 1. Regardez le cercle de dégâts autour d'elle, c'est impressionnant. Grosse portée latérale, que dalle vers l'avant, mais par latéral. On va dire il y a une portée intéressante à 360 degrés, mais c'est quasiment du statique. C'est quasiment du statique, pour le coup, elle fait pas de dash, rien, elle avance pas. Enfin, elle fait un ou deux petits pas en avant, j'ai l'impression, mais voilà, c'est ça, elle fait un tour sur elle-même en avançant. Donc la portée vers l'avant est pas ouf, mais la portée à 360 degrés sur le point central du personnage est quand même intéressant, quoi. Mais l'auto-combo, c'est fou la portée qu'il a, quoi. Putain. C'est balèze quoi. C'est un 3 quarts sprint. C'est un auto-combo à 5 coups en plus, je suis en train de voir. Non, attends, 4 ou 5 coups, putain, j'arrive pas à compter. Oui, c'est un 3% cette même. Non, c'est un 4 coups. C'est un 4 coups, c'est pas un 5 coups, qu'est-ce que je dis moi? 4 coups avec le vortex en quatrième coup. Ok. Mais en soi, le vortex il fait 2 coups donc. Ah, il fait 2 coups le vortex? Oui. Ok. Il me semble. D'accord. Ce que j'ai vu. Bon bah très bien, bah écoute. C'est très joli ce qu'on vient de voir. C'est très 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 joli. Nathan, t'as gardé le meilleur pour la fin. Oh putain, Anataroth c'est mort. Le Anataroth, c'est mort. Je vais. Oui, on va aller sur Loots. On va aller regarder tous les messages que j'ai loupés. On va remercier un petit peu les gens. Hop. Oh, wow. Ah oui. Ah oui, quand même. Oh putain. Ah oui. J'en ai loupé des messes. Mon dieu du cul. Alors. Oh là 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 là, maman. Alors, on commence par. Le premier qui a ouvert le bal, donc c'était Warzray, on arrive au bout. Alors, genre, mais. Ah non, c'était la semaine dernière. C'était hier soir, ça. Snoopy, donc on l'a vu. Abidrami, merci pour ce live, plein de bordel. Ah, mais c'était la semaine dernière. C'était hier soir, ça, je veux dire. Oui, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. John, un Ataro plus puissant. Ah oui, je l'avais vu au début. T'inquiète, la partie 2 arrive demain ou le 1 pour SSCF. En poule à Sika, il y a Popo RCE, Athena CE, Yades ACE et plein d'autres. Ouais, effectivement, ça je me souviens, ouais. Merci Zafreux au passage. Ça, c'est les persos sont forts, mais les gameplays j'aime pas.
Donc bah, ça rejoint ce que certains disaient tout à l'heure. Effectivement, merci pour le loot de ce passage. Salut, comment ça va bien? Mais très bien, Zephyros, merci pour le loot de ce passage également. J'ai aucun perso du step-up, donc ultra rentable. Ah bah, dans ton cas, Vincent, mais je confirme, ça fait plaisir. Abid Rami qui nous met le message what the fuck numéro 8. Je sais comment vous casser la tête. Pète et répète sont dans un bateau. Pète ton ballot. Qui reste-t-il? Répète. Répète. Je sais comment vous... Ah oui, d'accord, oui, puis tu recommences à dire. Abid Rami, GG. Petit loose de soir, on l'avait vu tout à l'heure, c'est Kuntach, encore merci. Cherko, c'est parti pour les loose, merci pour les vidéos d'aujourd'hui. De rien, Cherko, merci beaucoup. Nishiku, bah, qui m'a demandé si vous pouvez venir en vocal, c'était le même bail que tout à l'heure. Axel, qui nous a mis un petit smiley, merci également. The Rocker, j'ai quasi 600 tickets, bref, sous le 134 5 étoiles, 4 tickets 5 étoiles et 1 ticket 6 étoiles, moyen de choper Ichigo ou du sel. Ah bah c'est kiff-kiff, hein. Là pour le coup, oh, 600 tickets, bref, sauf, tu vas bien choper quelque chose quand même. Kulichigo me servira de ligne pour mon Kuraku, c'est une manière de voir en effet. Docteur Desper que nous avions vu tout à l'heure, Light qu'on vient de voir à l'instant. Quel est survivant que nous avons loupé? Que penserais-tu? Devrais-je combiner selon les équipements, genre avec les fronts? Attends. Excusez-moi. Que penserais-tu? Devrais-je combiner selon tes équipes? Genre pour les fractionnistes d'Alibel? Quand tu lances l'aspect, tu contrôles Ion. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas lu la phrase jusqu'au bout. J'aurais peut-être dû. Alors, lancer l'aspect d'Alibel et contrôler Ion. Enfin, des fractionnaises d'Alibel. Oui, parce que Alibel elle-même, on voit pas trop ce qu'elle foutrait avec Ion. Mais oui, effectivement, les fractionnaises contrôler Ion. Mathéo, je ne pense pas qu'il va y avoir un live demain. Dit qu'il est pas les loots. On fait ce qu'on peut, Zephyros. Merci en tout cas, encore une fois. Merci. Martin Lorenz, t'essayes de dire quoi depuis tout à l'heure? C'est parti. Ah oui, c'est parti. Bon, s'il le met encore une fois... Oui, pour demain, oui, des poules. Bon, déjà, ce sera pas demain matin. Hein. Demain, voilà, il y aura pas de coffee demain. Ça va être un peu particulier pour moi, l'organisation de la journée. Pourquoi ça redémarre pas, putain de truc Discord, là? Allô? Allô? D'accord, la capture Discord a bugué, c'est parfait. Niki, qui nous met de boules, merci beaucoup, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et ça fait plaisir de revenir sur un de tes streams. Eh ben, je vois ça, merci beaucoup, ça fait plaisir. Eh bien, bon retour parmi nous en tout cas. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu et ça fait plaisir de revenir sur un de tes streams. Comment on fait pour faire en sorte qu'un objet ait deux effets secondaires? Faut le passer en 5 étoiles, Ilias, il y a qu'en 5 étoiles qu'il a un deuxième effet. Allez. On va se faire un Ataro, enfin tout du moins son animation, calmez-vous. Pas trop dur le réveil ce matin, Guy, au fait, au passage. Bankai Getsuga Zangetsu? Non, c'est pas ça le nom du Bankai. C'est Tenza Zangetsu. Allez. Voyons voir, on va essayer de pas mettre trop fort cette fois. Il se fait courser par Bonnie ce con, quoi. Mais non. Oh putain, l'abruti quoi! L'abruti incroyable! Ah, tout le moment que c'est dégaine, on peut voir qu'il est tout capité, non? La portée de la Strong 2, mon pote! La portée de la Strong 2 soins, sa mère! Oh, Nataro, ferme ta gueule! Ah, le sound design de l'emmerdement du Doliprane sur 20, quoi. Comme Yachiro batteuse. Hein. Moi, je m'en fous, je joue jamais sans le... Je joue toujours sans le son, donc... Ah bah ça va m'inciter à le faire, incroyable. Comme Véronique. Pardon. Si vous jouez sans son, Véronique. Bon, lui, je le veux plus en live. Lol. Bon, alors, on se l'armait. Allô? D'accord. Un Shinigami qui fait des roulades. Bah, elle a pas maîtrisé le Shumpo, Anata. L'aspect, elle est marrante. Elle est terrible, l'aspect. Elle est juste excellente. C'est vrai qu'il fait des roulades, j'ai pas capté. Alors, la Strong 3, elle est très, très, très vénère. Impressionnant. Et pour une Strong 200, mais la portée, elle est barge, quoi. Roulade vers l'avant, ouais. La roulade, elle a une bonne portée latérale, quand même. Hein.
Ouais. Vas-y, remets deux secondes là. Imaginez juste Anataro et la Yachiro dans la même coop. Oh là là, l'enfer. Et Lilinette. Et Lilinette, ouais. Et elle est l'enfant. Et non, Tatsuki. Non, l'enfer, quoi. Ton crâne. Ouais, y'a quand même une sacrée portée latérale sur la sprangine, mine de rien. Et là, on comprend pourquoi il y a 20% de portée sur l'autocombo, ouais. L'animation de l'autocombo est très classe en soi. Il a un sound design qui va vraiment me rendre dingue. À savoir si tu vas poule, quoi. Alors, déjà, je comprends pas. Qu'est-ce que Bonnie, elle fout là? Bah dans la vie, mais il est tout le temps en train de se faire pousser par elle. Oui, remarque, c'est... Ta gueule, c'est magique. Mais l'aspect, elle est géniale. Je veux dire, l'aspect, elle est excellente, quoi. L'animation, j'ai rien. Et sinon, tu me remets depuis le début. Et la con de toi. On te demande si tu vas mettre le gameplay d'Ichigo après. Si vous voulez, on peut le mettre. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien sûr. Ah, la Strong 3, elle a une sacrée portée, c'est pas mal. Mais alors, je suis assez bluffé par la portée de la Strong 2 soins, quand même. Ah, j'ai bégayé aussi. Hein. Y a pas d'effet de repoussement, finalement. C'est du dégât pur. Parce que là, si on revient bien là-dessus, paf, voilà, c'est du dégât pur. Les mobs, ils prennent le dégât, ils tombent sur place cash, quoi. Il n'y a pas de repoussement ou quoi que ce soit. Ce qui est très bien, quoi, dans ce cas-là, c'est que ça te permet de pouvoir faire place nette au moment où tu soignes les mecs, quoi. T'es pris dans la mêlée, tu te mets au milieu, tu lances ta spoule de soin, tu soignes tout le monde et ça dégage, quoi. Ben, transmission va être très fort, hein, je pense. Hein. Mmh. Ah, 5 coups, lui, par contre, autocombo. Ah, c'est ça, 5 coups. Il y a 5 coups dessus. Ah, c'est pas mal. C'est non, mais clairement, Anataro va être à Link. Pour le Kiora, par exemple. Avec son 16 DR. C'est plus énorme. Bah, c'est comme Ichigo, quoi. What the fuck, on est plus voir quand même. Ichigo, Link est sur Rukia Bankai. Hein. Oui, bah, bien sûr. Bah, ouais, logique, de plus de ça fait 47. Non, ça va, le gameplay du Chico de recul est pire. Il y a un petit délai entre les deux derniers, entre les trois premiers et les deux derniers coups de l'autocombo. Ouais, une demi-seconde, quoi. Ouais, il y a un petit délai entre le troisième et entre les trois premiers et les deux derniers coups, mais les deux derniers coups sont plus rapprochés que les trois premiers. Damsel, tu peux skip ce portail, sachant qu'il va revenir au mois de mars. Ouais, d'accord. Ok. C'est très what the fuck. Hein. Cette bannière est vraiment placée sous le signe du what the fuck total. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est fou quand même. Alors, bon. But de l'opération, ça va être quand même qu'on en cause un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites, quoi? Je veux dire, pour vous donner un avis individuellement, Mayuri, j'aime beaucoup l'animation dans l'ensemble. C'est très joli, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Sur le papier, c'est un counter de Chad, mais alors il fera absolument rien en Brave Battle, hein, je tiens à vous le dire direct, il fera absolument que dalle. Rukia est de très 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 loin le perso le plus classe qu'on ait pu voir depuis un petit moment quand même. On demande de montrer le Ichigo. Oui, bien sûr, mais là, bon, juste avant de passer sur le Ichigo, on fait un petit point ici, bougez pas. Mais non, soyez pas pressé. Ça va venir. Donc, ouais, la Rukia est franchement extrêmement classe, très chouette, très belle animation, tout vraiment nickel. Petite immunité paralysie avec 25% de régène entre les tableaux qui me laisse un peu perplexe, mais disons que j'aimerais bien la dropper pour faire des tests. Et pour un Anataro, c'est nimp. L'aspect, c'est la folie, c'est du grand n'importe quoi, c'est ouf. La portée de la Strong 2 soin, c'est assez zinzin quand même.
Pour le reste, après, bon. Auto-combo de 5 coups, ouais, particulier, why not. Ok, à classe, je préfère les spé de Noël ou de Spirit Society. Bah, disons que dans les persos Spirit Society, franchement, le perso que je trouve le plus classe, c'était quand même de loin Retsu. Je trouvais très, franchement, très, très joli, très bien présenté. Juste dans la présentation du chara-design, attention, hein, je parle pas forcément de tout ce qui va être gameplay, les spé, machin. Je vous parle du chara-design en soi. Le chara-design de Retsu était vraiment très chouette. Et le chara-design de Rukia, j'adore. Franchement, très, très joli, quoi. C'est vraiment très, très, très la classe, quoi. Donc, dans l'ensemble. Qu'est-ce que je compte faire avec cette bannière-là? Je vais voir déjà. Ma priorité, ce sera le step-up. Clairement, j'ai 4 persos sur 12 du step-up. Donc, ce sera ça ma prio d'abord. Après, pour le reste, cette bannière-là, j'irai vraiment pool en dernier recours. Comme le disait Obsa à l'instant, la bannière revient au mois de mars, pardon, au plus tôt. Donc, on ne sait pas, elle peut revenir un petit peu après. Mais, Benny, c'est vénère à cause de la voix d'Anataro et vous les tuez. Ah, c'est vrai que la voix d'Anataro, elle est quand même assez vénère. Hein. Je viens de créer une chaîne sur Brawl Stars, venez vous abo. Et dans l'hypothèse, où on n'aime pas Brawl Stars, il se passe quoi? Ota, t'as le fusil chargé? Obsa, je veux dire. Attends, je vois pas le mec, je le vois pas. Attends, je l'ai. Vas-y, fais, hein, parce que je le vois pas. J'étais en train de regarder Discord, donc... Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a la vague Garçon Grande 5 bientôt. Bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a déjà le Ichigo qui arrive avec toute la hype que ça a causé autour. Le fait que les fillers joints avec le Ichigo soient excellents du fion. On a cette bannière-là qui va popper pendant les mêmes délais. On a Ken Fury Own World, ça commence à vraiment sentir... Ça se rapproche, c'est imminent. Et on a la vague 5 de la guerre sanglante. Ça fait beaucoup de choses. Il y a énormément, énormément de choses qui se précisent dans un laps de temps très court. Et il faut digérer le reste des news. Les resets des orbes en coop. La tour des dangers qui vient en complément de la tour Senkaimon. C'est fou. Il y en a de partout. On s'est pris. Il y aura aussi Can Fear Your Own World. C'était énorme. Ça, c'était énorme. C'était génial, ce passage. On fait un Shoujiro Bankai hashtag respect. Oh oui, Shoujiro Bankai. Moi, je dis Anataro Bankai. Hein. Bon, c'est tout. Voilà. Oh là. non. Donc, c'est quand même assez ouf. Hein. Mais d'un autre côté, on va aussi vers une autre tendance pour les personnages. Vous voyez qu'un petit peu les persos saisonniers, en termes de stade, vous voyez ce que ça donne sur le plan offensif. On arrive quand même à une moyenne de 770 à 780 en matière de spé sur des persos saisonniers. Vous voyez le Ichigo, on arrive à 794. Là, on a clairement des précurseurs qui nous emmènent sur début 2019 à des persos qui vont pas tarder à péter la barrière des 800 d'une stat offensive. Là, ça va tomber, ça aussi, c'est imminent. Garçon Glant 5... Oh oui. Garçon Glant 5, c'est obligé que ça dépasse les 800 en stat offense. Alors, Zach K2, les persos romans ont bel et bien... Enfin, leur présence a été confirmée une seconde fois, puisqu'on sait depuis juillet, depuis les 3 ans, que les persos de Can Fear Your Own World, donc sur la sortie du light novel au Japon, bénéficiant d'une collaboration avec Beach Wife Souls courant 2019. Mais là, il y a quand même une partie du roster des personnages inclus dans Can Fear Your Own World qui a été dévoilée pendant le Bankai Live. Donc, possiblement, attention, du roster du light novel, je vous parle pas du roster qui va arriver dans le jeu. Donc, possiblement, on pourrait voir une partie de ce roster du light novel intégrer le jeu. Maintenant, lesquels, évidemment, on va surtout parler d'Ikone et de Tsunayashiro, donc les protagonistes principaux. On va, alors ça, j'en mets ma main à putain de couper qu'on aura un nouveau Shinji, un nouveau Shuei, les deux avec l'expression de leur Bankai, ça c'est gros comme le pif au milieu de la figure. Aizen fait quand même partie de la fête, donc un Aizen, clairement. Il nous parle également des Stern Ritter. Allô, allô, merci. Il va y avoir quand même pas mal de choses, comme pour Ulquiorra qui est venu avec quasi 70 de spé. Et ensuite, les persos manga, tous à plus de 770 et Ewatch à 786. Ah bah, Ewatch, ça a été un peu le game breaker. On peut en parler aussi de l'Aizen Tech. Hein. Quand il est arrivé, il a fait très sensation avec son killer, son affinité et le taux de pression spé qu'il avait, quoi. Et Pedro Clem, ça m'a étonné d'avoir un Rukia qui a un design d'avant les Fullbringer. Bah, en soi, surprenant, oui et non, je pense qu'il n'y a pas vraiment. On peut pas trop s'étonner de ce genre de choses dans la mesure où là, c'est une bannière saisonnière. Donc, comme je disais tout à l'heure, la direction artistique donnée à ces personnages-là les permet de les sortir un petit peu de leur contexte et on peut quasiment. Quitte à break complètement la timeline où ils sont censés être représentés, on peut quand même se démerder à les intégrer sans que ça choque de trop. Après, il peut y avoir effectivement certaines personnes adeptes du détail qui remarquent ça.
Pourquoi il met son numéro de téléphone dans le chat, lui, il a pété un plomb? Non, ça doit pas être le sien, à mon avis. What the fuck? Pas d'Aizen dans les romans, pas assez présent, mais Aizen pour les nouveaux persos manga, oui, c'est quasi certain. Oh, mais ça sent bon. Enfin, ça sent bon. Je veux dire, quand tu vois derrière que le Aizen, il est partout, ça sent bon, quoi. Alors... Après, pour moi... Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Aizen... Retenez ce que j'ai dit, Aizen au step-up d'été, 6ème version du Yogyoku. Je le sens, gros comme une maison. C'est... S'il n'y a pas de Aizen... round... s'il n'y a pas Aizen... guerre sanglante, je démissionne de BBS, hein, clairement. J'arrête. Demain, j'arrête. White Demain, Day... j'arrête, c'est fini. White Day Cacao Society, c'est du saisonnier. Oui, tout à fait. Ensuite, on m'avait demandé tout à l'heure de retourner faire un petit tour du côté du gameplay d'Ichigo. Eh bien... Après, pour le Aizen, je pense que ce sera celui qui va péter vraiment la stat de pression sp, en fait. Moi, je pense après, savoir qui va être Gamebreaker en attaque, mais en Gamebreaker spé. Non, si. En spé, parce que selon les Quincy, c'est l'arme offensive avec la plus grosse pression spé, en fait, d'après les Quincy. Bah, c'est après les que, jusque-là, dans le jeu, si on se base par rapport aux variantes in-game, la fusion quatrième étape, quand il, le Flyzen Tech, quand il est arrivé, avec son taux de pression spé sans killer, il a littéralement fait mal au cul, quoi. Derrière, on a le Aizen rouge, qui est arrivé, qui certes, n'était pas Game Breaker en soi, parce qu'il était légèrement en dessous de E-Watch, mais 7,82 pour 7,86, on est quand même pas ridicule, quoi. Donc, je veux Aizen. Donc le prochain Aizen, quand tu vois qu'il y a quand même 30 points de spé d'écart entre le Flyzen et le Aizen rouge, qui était la review du vieux violet qu'on avait... Ouais, il y a de fortes chances qu'effectivement, le prochain Aizen, si on a un qui tombe, mais je le vois gros comme une baraque, là, cette fois-ci, ils peuvent pas rater le coche. Clairement, ils peuvent pas rater le coche d'un nouvel Aizen qui arriverait sur le jeu. Un Aizen Game Breaker à plus de 800 de spé, why not? Est-ce que ce serait lui le précurseur pour autant? Je sais pas. Mais oui, Game Breaker à plus de 800 de spé, je le vois clairement comme ça. Maintenant, le Game Breaker attaque, ce serait qui? Peut-être dans les... Oh non, pas dans les reviews d'Arrancar, c'est... Enfin, peut-être dans... après, chez les Espadas, mais pas dans les Arrancar. Les Arrancar, c'est trop... C'est trop random. Bah les espaces d'as, peut-être Grimjou, il a... Je dirais Kenpachi. Kenpachi? Une review de... Il y a pas de... Ah oui, Kenpachi en rapport avec Can't Fear Your Own World? Non, toujours par rapport... en... Comment dire? Avec le... Toujours avec les Stern Ritter, en fait. Ah oui, d'accord. C'est par rapport avec leurs armes massives, comme oui, oui. Ichigo, c'est l'évolution, Aizen, c'est la pression spé, pas Kuraku, Ukitake, non, je sais plus. Kisuke, c'était le stratège, il me semble. Non, en soi, il y a déjà une version de Kenny, quoi. En rapport avec les mangas, oui. Voilà, après, c'est Exit, là, c'est en rapport avec le light novel ou après avec le manga, je sais pas. Il y a même Auto Bankai pour le NAD. Sérieusement, avec le fait qu'il ait 4 Bankai, vous le verriez attaque, vous le verriez pas davantage, davantage SP, justement, ce... Ah si, si, gros cogneur pression SP. Hein. Oh, je le vois ultra vénère, moi, plutôt, quitte à le mettre comme ça. Kensei. Kensei en rapport avec l'arc, peut-être. Shuai, ouais, peut-être. A voir après, selon les... comment les... Parce que je vois l'expression de son Bankai. On va voir comment ils vont le matérialiser dans le jeu. Bah, de toute façon, le Bankai de Shuai est obligé, ça one-shot sur l'aspect. Mewtwo, tu dois parler d'Ikone, oui. Alors, Ikone, c'est pareil, hein. On va pouvoir en parler un moment. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce perso-là, quoi? C'est nimp? Vous avez vu l'épée qu'il porte? Par rapport au DMC? Vous avez vu l'épée? Il se penche. Mais l'épée, le fourreau, la garde est bandée, en fait, il y a des bandelettes autour, enroulée de chaîne, et le fourreau, t'as l'impression que c'est de la pierre. Je suis sûr. Le sabre, il fait la taille. Pardon, la taille fait la sabre du... Enfin, merde. Le sabre fait la taille du môme. Non, c'est vrai, Rose Bankai aussi. Ah, oui. Je suis sûr, hein, clairement, que le gamin, c'est un putain de démon. Il doit y avoir un truc de ouf. Hein. De toute façon, il sera jouable. Oh, putain. Hein. Rappelez-vous, hein, vous avez vu les chara-design quand il était en rouge. C'est pas le chara-design du light novel, machin, montré random. C'est le chara-design du jeu. Oui, ça déjà... C'est dans le jeu, ça. Ce que vous avez S'ils vu, ont choisi... S'ils ont choisi des seiyuu, c'est qu'ils vont être jouables. Ah oui, mais c'était prévu. Dès juillet, on savait qu'ils allaient être implémentés dans le jeu, les deux. Puis en soi, on a déjà le chara-design du perso dans le jeu. Ouais, après, putain, le Yamagi quadruple Bankai.
Mais après, hybride avec 800 et 800, tu sais. Oh putain, ça, la vache, 1000 PV, 400 de concentration, oh la vache, quoi. 800 de def, oh, bah oui, toujours plus, oh, putain, la tankiness, quoi. C'est... Après, tu vois, elle faire un Bankai par strong, ça serait gâcher le personnage, je sais pas comment il peut se démerder. Ramia Beach, je veux. Oui, ah oui, ah bah c'est ce que j'allais dire, je veux, Nana ou tueuse de dieu, je need. Ah oui, je signe. Et it, Théorène, Ichibei, Gamebreaker, je signe aussi, hein. Pas de problème. Oh, qui peut tout réécrire, tu sais. Bah, Ichibei, un gameplay à la Ichibei, je pense pas que ça soit retranscrit. Oui. Enfin, c'est chaud, quoi. Après, ils peuvent trouver un stratagème, tu vois. Message what the fuck numéro 9, je suis le seul à avoir la poutre de Bamako sur 20. J'ai pas lu la suite du message, what the fuck, c'est certainement pas le seul loot d'ailleurs que j'ai loupé. Je suis le seul à avoir la poutre Ichigo, de Bamako sur 20 pour le Ichigo 2019. Oh, je ne sais pas. Petit sondage, il y en a qui ont la grosse hype pour le perso ou oh, skip, on s'en bat les couilles, on verra plus tard. Ryu Manga. Oh, j'ai oui. Mifig Miraisin. Mifig Miraisin aussi, ouais. En tout cas, moi je poule pour les fillers. Hein. Je comprends pas la place de la partie holo d'Ichigo dans le gameplay. C'est quoi déjà la phrase d'habitude dans ce cas-là? Ta gueule c'est magique, non? C'est pas ça? C'est ça, ouais. plus du tout, skip. Non, pas hype. Il est ouf. Normal, rien de ouf pour moi. Duo Mayuri Nemo, ouais, skip. D'accord. Voilà, skip, c'est ça, la cinquième vague. Les cinq génies du combat. Non, mais les gars, faut pas skip un step-up. Arrêtez vos bêtises. Hein. Non, mais tu vois, il y a des commentaires qui disent que les fillers intéressent plus que le perso bannière, quoi. Que le perso main. Ouais, bah, c'est comme moi. Après, en soi, si vous faites attention, on voit très bien ses pouvoirs réunis rien que dans l'auto-combo. C'est très partagé. De toute façon, on va voir. C'est très partagé. Hein. C'est soit il y a des gens qui sont clairement hype, soit des gens qui vont clairement skip, soit il y en a d'autres qui sont à peu près au milieu, qui sont hype, mais bon, qui s'en claqueraient pas la tête contre les murs non plus. Et les autres qui les chauffent bien, c'est davantage les fillers par rapport au perso, quoi. Un atarant plus hypant que Ichigo. Ah, ça, c'est la fin du respect. Hein. Pour les fillers, j'ai que Omaida. Ah, bah, je te comprends. Moi, c'est pareil, j'ai retop. Hein. Je t'avoue qu'au-delà du Ichigo, pour moi, la bannière, c'est de l'or en barre. J'ai que 4 persos sur les 12. C'est excellent. Ouais, pareil, je suis à 4. Perso, je vais pull car toute la bannière m'intéresse. Après, moi, c'est ce qui va me convaincre de pull dessus aussi. Hein. Les fillers, il y en a des excellents qui peuvent être jouables, très bons. Et derrière. Bon, le Ichigo tombe, tant mieux, quoi. En fait, enfin, je claque tous les paliers et basta pour avoir les cadeaux. Ouais, d'accord, en fait, ouais, tu fais une rota complète, Mewtwo, pour justement tomber tous les loots possibles avec les invoques, et puis tu te contenteras de ce que t'auras, quoi, concrètement. Bah, Snow, 1540 orbes, je pense que je ferai comme toi, pour commencer. Que je claquerai, je ferai toutes mes rotas jusqu'au bout, voir un petit peu ce que ça donne, qu'est-ce qui tombe, au-delà du loot qu'on aura avec les invos, bien sûr. Mais faire un petit point, parce que je me souviens qu'au dernier step-up, notamment le gros step-up où on avait pool, c'était lequel justement qui avait été extrêmement goldé, où tout le monde me disait arrête de pool, et je forçais, je continuais de dropper des trucs de ouf. Je crois que c'était l'an dernier, ça devait être pour la vague 2, il me semble, de la guerre sanglante, où j'avais fait toutes mes rotages, j'avais dépouillé la bannière, j'ai continué d'insister à pool, j'ai tombé le Oryo rouge, j'ai tombé la Riruka verte, enfin, j'avais tombé des persos assez intéressants en plus. Et puis le golden derrière, quoi. Et puis le Golden Orange, naturellement. Qui alors là, ce serait un sketch. Là, ce serait un putain de sketch. Imaginez, je drop le Ichigo, je pull sur les loteries items, et paf, je tombe le golden Yuki bleu. Pendez-moi par la place publique, s'il vous plaît. Tu vas pull quand? Alors, le Gadinho, tu viens de poser la question à 1 000 000 d'euros. Pas demain matin. Demain, ma journée va être très compliquée en termes d'organisation. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose dans la mesure où ma nounou est en vacances et j'ai mes enfants avec moi. Donc, je ne vais naturellement pas laisser mon fils de 8 ans se démerder seul avec ma fille d'un peu plus de 2 ans. Ce serait quand même irresponsabilité totale de ma part. Donc, à un moment donné, il faut aussi que je prenne mes responsabilités paternelles. Donc, demain matin, déjà, il n'y aura pas de coffee. Demain, en début d'après-midi, forcément, ma fille va faire sa sieste. Est-ce que je vous fais mes poules à ce moment-là, en VOD, ou genre je lance un petit live de poules, éventuellement, je sais pas. Demain, en début d'après-midi, à la limite. Demain soir, je vous ferai rien non plus, hein. Clairement, voilà, ce sera le réveillon, donc il y aura que dalle. Donc tu les fous devant la télé. Non, je suis pas comme ça, moi. Je veux mes enfants. Mais en soi, ça fait longtemps que t'as pas fait de poules en VOD, en soi. Sur Bleach, oui, ça fait longtemps. C'est vrai que les gens sont très très demandeurs, effectivement, des pools en stream sur BBS. Donc c'est vrai que si vous faites des tapis complets, vous n'allez pas le regretter. Bah, après, ça dépend, Rémi. Ça dépend de ce qu'on tombe. Moi, je t'avoue que si en 1400 heures pour le step multi, si je drop tout ce que je veux, basta, je m'arrête et je conserve. J'attends. Si effectivement, on a une approche imminente de Can't Fear Your Own World et de... Comment dirais-je de... Merde.
la vague 5 de la guerre sanglante, on se lance. Après, tiens, tenez, regardez, sans transition, ça va me permettre du coup de vous rebalancer le gameplay de l'Ichigo que les gens me demandent depuis tout à l'heure. Parce que vraiment, là, si certains veulent poule juste pour l'Ichigo, rassurez-vous, il va revenir. Comme pour le Hulk qui aura des 3 ans. Alors, il est revenu au moins 3 fois depuis son apparition. Justement, on rebondit sur ce que dit Obsage, mais on pose le gameplay immédiatement. Ichigo est un perso premium. C'est ça en plus. Il est premium, c'est-à-dire qu'il sera intégré dans la loterie, droppable via, enfin via dans la loterie premium, droppable via n'importe quelle nature de ticket, et donc retour possible en dehors des bannières événements. Donc à partir de là, il n'y a pas trop à se casser la tête, quoi. Puis à savoir que dans la tour des cauchemars, vous avez bien de quoi drop des 5 étoiles à qui vous voulez offrir, ça. Parce que c'est ouf, hein, le loup qu'il y a dans la... C'est ouf ce qu'il y a dans la tour des dangers à drop. Bah bravo. Alors la strong 3, petit fou scan des familles. Très classique, très joli. La strong 2 me laisse un peu perplexe. Moi la strong 2 je l'aime bien, je vois pas ce qu'elle te... pourquoi elle te laisse perplexe. Hein. Elle a une... disons qu'elle a une bonne portée, mais je sais pas, je trouve le design un peu trop pompé, quoi. Par contre la strong 2 est excellente, la vitesse de l'autocombo j'ai rien à dire. Et vous avez remarqué qu'il y avait différentes notions de couleurs de flèches sur l'autocombo? Oui, oui, le premier c'est le... C'est Holo, deuxième Quincy et dernier Shinigami. Il y a de tout. Tout se manifeste dedans, il y a différentes couleurs de flèches. Alors à regarder sur quelle flèche précisément s'applique la magnification. J'ai pas regardé, je sais pas vraiment où est-ce qu'elle se présente. Après c'est ça que j'aime bien aussi dans ce personnage, c'est tout est dans le détail, quoi. En fait sur le dernier de site... Attends, j'ai inventé un truc là. T'as la croix comme sur celui de la vague 3. Attends. Le dernier c'est Fullbring, il me semble. Ah putain, c'est pas une flèche. La noire, c'est pas une flèche. Il tire avec sa main au lot. Oui, c'est un cello. Je viens de capter. Et tu vois que sur le dernier il fait les deux en même temps. C'est pour ça que ça fait la croix. D'accord. J'avais pas capté ça. Ah, j'avais pas fait attention. J'ai juste de m'en rendre compte parce que là, j'ai vraiment la gueule collée à l'écran. J'avais pas fait attention. Putain. Oui, parce que c'est vrai, quand on me dit, mais bordel, ces pouvoirs de holo, ils servent à quoi? Bon, ok, ils servent juste, entre guillemets, à placer un coup dans l'autocombo, mais... Non, la strong gun, c'est sa main. Putain, mais je suis tellement débilos, quoi. Putain. Regarde. Sa strong gun. C'est son pouvoir de holo. Oui, elle est très belle. Oui. Mais c'est son pouvoir de holo. Regarde, il a la main gauche tendue. Je viens juste de capter. J'avais pas remarqué. J'avais pas du tout remarqué. J'aurais dû mettre un slow-mo là-dessus pour vraiment être bien sûr. Bon, ça c'est Quincy, évidemment, ça fait pas de doute. Ah bah oui, là, c'est clair et net, quoi. C'est très très clair. Pourquoi j'ai pas vu ça la première fois, putain? Ok. Donc ce qui fait que sur sa spé, en fait, il fait Quincy, Holo, Quincy, et un mix des deux sur la dernière, quoi. Putain, effectivement, tout est vraiment dans le détail, quoi. Bah si on va aller par là, ça se prend 3, c'est un peu un mélange des deux aussi. Mais par contre l'aspect est tellement magnifique. L'aspect est très classe. J'ai rien à dire sur l'aspect, vraiment. Juste la strong 2, on dirait la strong 1 de Kisuke, quoi. À quelque chose, peu de choses près, quoi. Quelques petits détails près, quoi. Tu remarqueras quand il aura 6 étoiles d'un humain. Tu parles de quoi, Cédric? Salut Hassan. Tu sais, quand tu passes en 6 étoiles, les persos, ils auront une aura autour d'eux. Oui. Bah là, il a l'aura d'un humain, apparemment. Pas ouf. Il peut se jouer PVP? Non. Ah non. Non, clairement pas. Non, ça va être un très bon farmer PVE. Après, enfin, un très bon farmer. Il est killer de aucun. C'est un aucun killer de aucun. Et dans quelques rotas quêtes de groupe, encore.
Tout dépend de la rota, quoi. Un quête de groove, ça dépend après de son déplacement vis-à-vis de son Shunpo plus 2. Ouais, c'est ça qui m'a fait bégayer quand j'ai vu la fiche de stats ce matin. Yoruchi, Thousand Year Blood War restera le meilleur spé bleu. Attention, le Gin Spirit Society se défend très bien aussi. Ah oui, j'ai les spé 4 et... Il y a une rota avec lui dernièrement en quête de groupe et... c'était très intéressant de pouvoir le manier vraiment dans des conditions autres que du simple farming PVE, quoi. The Raven HD, 8000 orbes, ça peut être assez... très largement comme pas du tout. Exact. C'est ça. Du coup, si en PVP c'est un excellent farmer et qu'en PVE c'est un excellent farmer et qu'en PVP c'est mort, il sert à quoi? Mais, Eluk, c'est pas la bonne question. Interroge-toi sur combien de persos sortent par an sur ce jeu et combien sont utiles et intéressants en PVP. Tu vas voir que si franchement t'es persuadé qu'il y a beaucoup de persos qui sont intégrables en PVP, tu vas être vite déçu. Là, clairement, déjà, la bannière Noël, nouvel an, il n'y en a aucun. Bannière Noël, aucun. Le dernier vraiment game breaker qui pouvait rentrer en PVP, c'était qui? Chad? Annibelle Rouge, hein. Elle était pas mal. Annibelle Rouge, ouais, elle savait sortir son épingle du jeu, ouais. Ouais, avec sa spé paralysie, elle te spammait, puis t'es ultra chiant, quoi. Franchement, les persos qui sont vraiment utiles et intégrables, qui apportent vraiment quelque chose à une méta type en PVP, ça se compte sur les doigts d'une main. Sur l'année, on a eu Retsu, on l'a eu l'année dernière pour le step-up du nouvel an. Retsu, le Kenny de la même bannière. Ouais, peu de temps après, on a eu Yamaji. Ouais. Après, en intégrable, on a eu Iwatch et Ulquiorra. Ouais, puis dernièrement Chad. Là, Chad. Ouais, t'en as 5-6, grand max. Juste là, cette année, quoi. Après, on a eu White Tenza, mais bon, il était sorti bien avant. Disons qu'on a des persos, il y a une évidence. Il y a une évidence qui va faire que sur leur skill, leur stat, on va pouvoir facilement les intégrer dans une équipe Brave Battle. En revanche, il y en a où c'est... Il va falloir bricoler un peu plus. Tu vois, c'est le cas de White Tenza. Disons que White Tenza, en fait, c'est tout un ensemble. Ce qui fait que il a été intéressant de l'intégrer, c'était parce qu'il avait une contre-affinité par rapport à Retsu, qu'il a un Vortex, et qu'il a un taux d'application de 2% de la vulnée par hit de l'ensemble de ses auto-combos et de ses strongs. Donc dès lors qu'il déclenche son Vortex, il y a un très gros taux d'application de vulnée qui réduit à 1 point de dégâts la frappe de votre adversaire. Donc ça pouvait effectivement être un bricolage intéressant. Regarde ceux qui ont joué le Flyzen en AD, ceux qui ont joué la Rukia, garçon volante, en AD, il y a eu pas mal de bricolages comme ça qui ont eu une efficacité assez relative selon les persos, mais ça peut fonctionner, quoi. C'est ça que je trouve dommage entre guillemets PVP, c'est si le personnage n'a pas ce qu'il faut, tu vois, il est jamais intégré, quoi. Alors Karuma, excuse-moi, je t'ai coupé Kusaka. Karuma, Kusaka, oui, effectivement, il a eu sa place en PVP. Mais c'est un Link en soi, quoi. Toshiro Manga, oui, Toshiro Manga, en fait. Vous savez pourquoi Toshiro Manga? Pour la même raison que Ichigo Full Wing. Temps de déclenchement de la Strong 3 ultra rapide. Il est plus rapide. Encore Ichigo Full Brain est devenu un peu plus lent maintenant parce que la Retsu a quand même un temps de déclenchement de la Strong 3 qui est vraiment très rapide. L'un des plus rapides qui existe. Je sais même pas si c'est pas la plus rapide d'ailleurs. Zeus Production, bonsoir. On t'a vu. Bonsoir. Voilà la peine de spammer ton coucou. Bonsoir. Ma journée de demain va être longue. Bonne nuit. Bon réveillon. Un poule à toi aussi. Merci beaucoup, The Rocker. Merci d'avoir partagé cette soirée avec nous. Une bonne soirée à toi. Des bisous et à la prochaine. Malédiction plus 5 en PVP, ça change la donne. 5 secondes pendant lesquelles effectivement tu réduis ton adversaire avec une altération d'état qui peut lui casser les couilles. Oui, c'est gênant. Et puis 5 secondes, c'est long en PVP. Hein. Il a le temps de reprendre la soulbombe et te reparalyser derrière ou te reglacer derrière. C'est Shuei TT la plus rapide. C'est vrai que Shuei, il a un temps de déclenchement qui est ultra fast. Hein. Le PVE, Adrien, c'est le combat contre le l'IA, quoi, en fait, tout simplement. Mais en soi, le PVP est aussi contre les pas. Oui, c'est vrai qu'en soi, oui. Y a pas de... En fait, c'est vrai qu'on a tendance à parler de PVP par abus de langage sur ce jeu, mais le PVP n'existe pas sans Beach Brave Souls. Salut, Royas. Je trouve ça juste bête qu'il n'y ait pas plus d'aspect stratégique dans le PVP, quoi. Juste ça qui est bête. Quel link serait le meilleur pour le Ichigo? Il a un excellent link de base. 14% de temps de recharge, c'est colossal. Moi, derrière, je lui mets quoi? Je lui mets Gin, le Gin Spirit Society, je lui mets Cocteau et je lui mets la Rangiku Tag Team.
Et en soi, si t'as pas de ligne pour lui, t'as déjà la Ryuka qui est dans la bannière là, si tu la drop. Elle est en SAR 12, avec des bons stats, donc en soi. Aussi, ouais, ça se prend. Mais après, des temps de réduction bleus, j'en ai pas mal, hein, tu vois, en plus de ce que je viens de citer, j'ai Lisa, j'ai la Orihime Halloween, donc pas mal de choses, quoi. Est-ce que tu as le Ichigo 14% de temps de recharge? Il y en a un Oui, un film, je crois. C'est pas le film 1 qui est en 14% de temps de recharge? Le violet? Ouais, non, c'est pas si, si, c'est, c'est lui. Si, si, je me sens que c'est lui. C'est lui, pardon. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Bonne nuit à tous et voilà. Ok, merci Rirouk, bonne soirée et bonne nuit pour toi aussi. Le violet de. Ouais, voilà, du film 1, ouais, c'est ça. Ouais, non, non, celui-là, je l'ai pas, non, hélas, non. Moi, par contre, Guy, faudrait peut-être faire venir les gens en live, non? Avec nous, du joueur Raiken. Déjà, je vais faire un petit point sur les loots, effectivement, on va prendre les gens avec nous. Alors, ouh, j'ai loupé plein de choses. De Maoul 27, je viens d'avoir Chad Fullbring dans un ticket Brave Soul. Et bah, oh, putain. GG. Et bah, GG. Ah bah, joli drop. Après, si tu l'as demain. Écoute, ça fera toujours un deuxième ligne, temps de recharge à côté. Tu peux le demain ou pas, sinon, bonne chance en espérant avoir tout ce qu'on veut. Oui, effectivement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, hein, que chacun puisse s'en sortir très heureux, effectivement, avec l'ensemble de ses drops. Et Kizax, malheureusement, je suis pas en capacité de te répondre, ça va vraiment dépendre de ma journée de demain. C'est parce que si je peux pas vous faire les poules du tout de la journée de demain, à ce moment-là, je vous les ferai mardi soir. Là, ça devrait passer. Ensuite, nous avons 7. T'as vu, Obsa m'a injustement mis un taux non mérité. Comment ça, je déforme la vérité? Je vous laisserai régler ça entre vous, des bisous. Hein. Bonne fin de soirée, toujours un plaisir de regarder tes lèvres. Continue comme ça, bon réveillon, à très bientôt, c'est un prochain live. Merci Sarah Flight, merci beaucoup, une bonne soirée pour toi aussi. Et à la prochaine. Whisper va poule pour Riruka, rien à foutre d'Ichigo. Bah après, les considérations de chacun, évidemment, chacun aura les siennes, il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'après, je vais poule sur ce step-up, parce que sur 12 persos, il m'en manque 8. Donc tombera ce qui tombera, d'une manière ou d'une autre. Je serai gagnant si je drop un inédit, vu ce qui me manque, quoi. Puis c'est pas des fillers nuls quoi, c'est vraiment des très 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 bons fillers. C'est clair, les fillers sont pas à foutre à la jaille quoi. Du coup, qui c'est qui avait demandé à passer en Vogue Hobson Raiken. 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 Raiken, ouais. Bah, écoute, c'est Raiken. Je suis pas sa secrétaire, non mais au salaud. Oh, bah écoute, Raiken s'il est chaud, pas de problème. Par contre, on fait pas venir 150 personnes, hein. Je vois qu'il y a du monde dans le comptoir. Ouais, non, pas trop de personnes. On va faire juste Raiken. Raiken, et puis je vois que de toute façon, il y a Ota qui leur sert d'hôte dans le comptoir. C'est ça. Salut Diblix. Salut Guy, toujours aussi cool tes lives et à la loterie Chigo. Ciao, ça marche Lucas, merci beaucoup. Bonne chance pour les drops. Ou merde, peut-être qu'il faut dire dans ces cas-là, je ne sais pas exactement. Salut Diblix. Excellent step-up, Kélab régale. Bah, les fillers sont. Enfin, les fillers. Non, parce que les persos partagent l'affiche avec Ichigo, quoi. Mais les persos eux-mêmes sont clairement pas dégueulasses, quoi. De toute façon, c'était plus ou moins à prévoir, puisqu'il y avait un step-up qui s'était plus ou moins, on va dire, orchestré de la même manière, où les personnages qui accompagnaient le perso bannière en question, le perso tête de liste, le perso d'affiche, avaient été parmi les persos les plus plébiscité pour ainsi dire parmi ceux qui étaient sortis sur les quelques mois précédents. Là ils ont fait quand même une sélection qui est franchement pas dégueulasse quoi. Après ceux qui évidemment ont énormément chaté sur les bannières où ces personnages sont tombés, bah peut-être que pour vous ça a un aspect un peu redondant, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais après pour des gens qui comme moi ou comme pas mal parmi vous d'après ce que j'ai cru comprendre depuis qu'on a commencé la diff, bah je vois beaucoup de personnes qui me disent bah moi j'ai qu'un perso, j'ai que deux persos, machin. J'ai vu quasiment personne, ou alors j'ai loupé les messages qui me disaient que je skip, j'ai la totalité de la bannière. Enfin, hormis Ichigo, bien sûr. Mais j'ai vu personne dans ce cas de figure-là. Donc ça reste intéressant. Ça reste. Enfin, pour moi, je trouve viable pour des personnes qui ont moins de la moitié de la bannière de continuer à poule là-dessus, quoi. Est-ce que Tsukishima Connaissance, il a équilibre? Je me rappelle plus. Tsukishima Connaissance, équilibre? Non. Non, il a imperfection, lui, je crois. Non, c'est pas toi. C'est qui a imperfection en orange chez les Fullbringer? Coucou. Oh, coucou, la vache. Ah, c'est quoi cette grosse voix là? What the fuck? Ah, c'est moi, Raiken. Oh merde! Oh putain, oui, c'est ton son, il est à donf! Oh putain, j'ai tellement sursauté! J'ai tellement fait un bond sur mon siège, putain de merde! Oh merde! Attends, je baisse le son! Ah, je suis désolé! J'étais tellement pas prêt! Ah non, c'est parce que je me suis rapproché de mon micro. Tu as fait une intro. Coucou! 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 Tu vas voir maintenant? Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, la forme? Oh, ça va, très bien, très bien. Oh putain, on va s'en remettre. Oui, je suis. Bah oui, forcément, je suis désolé sur le chat, j'ai dû tirer une sale gueule. Je suis désolé.
Ah, c'est dommage, j'avais pas vu sur le live, j'étais en train de regarder le Discord. Non, Mister Hyde lui donne pas trop de crédit non plus à Raiken, hein, ça va pas. Donc. J'aime beaucoup ce qu'effectivement il a dit, Raiken à Skip, c'est le Seiyuu Daizen. Eh hey, ouais, y'a un petit quelque ouais, chose, y'a. J'avoue, on tient quelque chose, on tient quelque chose là. Bon, je sais que j'ai une voix virile, mais pas. Ouais, avec le micro, ça passe bien, ça passe bien. Il me semble que tu voulais dire quelque chose par rapport au killer d'humain, je crois. Ah oui, alors. Bon, c'est une simple théorie, mais je pense que le killer humain sera du 40% en fait, comme les espadas et les capitaines. Je pense pas qu'ils vont rajouter des mobs humains en fait. Parce que. Comment je pourrais dire ça en gros, je pense que si jamais un jour ils te sortent le stern, ils seront de type aucun et humain. Comme pour les capitaines Shingabi, espada, Arantia. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ils auront un, double type, ils auront un double type qui permettrait au killer d'Ichigo de proc sur eux, quoi. Voilà. En gros, ils auront, tu vois, la catégorie aucun sera comme Shinigami à Rancard. Et le humain, en fait, ce sera plutôt en fait comme les Espada et Capitaine, en fait. Ce sera du 40% en fait en bonus. C'est comme ça, en fait, ça évitera en fait de mettre des mobs de type humain. Ça serait un peu ridicule. Le seul moyen qu'ils mettent des mobs humains, ce serait peut-être de mettre des sterns en. Enfin, pas des sterns, des cultis en mob. Kingsman, oui, je viens de le voir, putain, les notifs qui est aux fraises. Kingsman qui vient de nous mettre deux boules sur la table, merci. Et qui nous dit pourquoi la Saifan Swimsuit n'a pas besoin de clé. Ah, pour son arbre de compétences, parce que c'est un perso saisonnier. Tous les persos saisonniers, regardez, même les persos de Noël qu'on a vu tout à l'heure, tous n'ont pas. Regardez, je vous prends un exemple tout bête. Je vais prendre les persos de Noël, ça ce sont les persos issus des packs que j'ai achetés aujourd'hui. Je vais prendre Ukitake, regardez son arbre de compétences. Tous les persos saisonniers sont faits exactement pareil. Alors si le jeu tu veux bien te speeder le fion et au sightseeing par la même occasion. Maniez-vous le fion bordel. Merci. Regardez. Renforcez tout. Histoire de voir. Regardez. Rien. Les clés, qu'est-ce qu'il vous dit en bas là? Pas applicable. Parce que perso saisonnier, parce que pas besoin de perso de raid, pas besoin de déloc particulier sur l'arbre de compétences en question. Ça se fait comme ça. Donc les persos, tout ce qui va être Saint-Valentin, White Day, Halloween, maillot de bain, Noël, premier de l'an, Halloween j'ai déjà dit je crois. Cacao Society, voilà. Spirit Society, je crois que c'est les saisons. White Day. Non pas Spirit Society, merde. Non, Spirit Society fait rien du tout il me semble. Ouais c'est que dalle, c'est une loterie comme ça, c'est une loterie thématique, c'est pas une loterie saisonnière. Je pense que c'est une deuxième. Moi, j'ai considéré ça comme un deuxième Halloween pour moi après. Ouais, une partie 2 quoi. C'est vrai que c'est une partie 2. Bah, peut-être, je laisse un petit bémol concernant le Spirit Society. Mais tous ces persos-là, l'avantage, c'est qu'ils vous coûtent que dalle. Sur l'arbre de compétences, c'est quasiment du free quoi. Vous avez juste les ressources, c'est bon. Vous ouvrez, terminé. Quoi. Spirit Society, c'est saisonnier. J'ai pas eu besoin de perso pour les monter. Remarque, c'est vrai, je suis con, j'ai le din, j'ai pas eu besoin de ressources non plus, je suis débile moi. Ouais, merci. Aïe. Merci de ton intervention, je suis le roi des cons. Merci, des bisous. Alors. Du coup, désolé de t'avoir coupé, Raiken. Ah, je sais plus où j'en étais du coup. ouais, en gros, je disais en fait, comme quoi, en fait, le killer humain, je pense que ça sera plutôt genre un killer capitaine et Espada, ça sera pas un gros killer non plus. Donc, je pense que si. Pour que le killer humain soit vachement avantagé, je pense que ce sera plutôt en PVP. Et que si jamais en fait ils sortent les sterns, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils te mettent justement les sterns Ritter, humains et aucun. Et à la limite qu'ils rename aucun aussi en autre, parce que aucun, c'est un peu bizarre. Ouais, donc ce qui fait que du coup, on va devoir s'attendre très certainement, si vraiment ta théorie se confirme, qu'on ait à un moment donné un game breaker à intégrer dans la méta PVP qui serait éventuellement de classe stern ou autre, mais qui intégrerait au moins ce killer là, quoi. Ah bah oui. Ce sera humain aucun, je pense. Tu vois, parce que mettre une catégorie Quincy, je pense que c'est un peu trop tard. On a aucun passage Quincy. Enfin, qui a le grade. Oh, Snoopy. Snoopy, merci beaucoup. Snoopy qui lui met la boule. Bon, je vous laisse une bonne nuit. Bonne chance à tous ceux qui ont poule. Et bonne gueule de bois à tous. Ouais, je pense que c'est plutôt le deuxième cas de figure. À mon avis, ceux qui vont pour demain, qui vont se faire saler, ils vont tellement se mettre une race demain soir. Faut pas voir vos gueules mardi matin. Hein. Ah, ça va être violent. Oh, le truc de ouf que ça va être. Tu vas dire à tes potes, je suis tombé hors de pression. Pas bleach, là, non, tu mets pas ça. Mais pourquoi tu te mets comme ça? J'ai rien à poule. Non, si, j'ai poule, mais j'ai rien à drop. Bordel. Guy, mon ticket anniversaire, je le fais maintenant ou j'attends? Attends, au moins demain. Parce que du coup, le ticket anniversaire, ça poule sur la premium. Demain, il y aura Ichigo qui sera mis dans la premium. Sur un gros malentendu, ça peut le faire. Après, moi, j'ai essayé avec mon ticket 6 étoiles pour l'Aizen Rouge et j'ai eu un. Le clochard en.
Je sais pas comment il s'appelle, le vice-commandant, enfin le vice-capitaine commandant là. Chaudiron ? Oui, CP2. Ah oui. Ewatch, c'est pas un stern techniquement. Bah, techniquement aussi. Bah, si, mais il me semble qu'il est pas humain. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il est pas humain. Qu'est-ce qu'il fait, Ota ? What ? Ota qui nous fout la bouboule ? Bientôt sur Guillaume Gaming. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh putain. Bientôt sur Guillaume Gaming. Le jeu. C'est oh l'enfoiré de sa race. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Espèce d'enculé d'Ota de merde. Il va te faire foutre. Va cordialement te faire mettre. En fait, tellement... Attends, attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Ota va juste... Ota va juste te faire enculer, sale connard. Il est en... Ah, c'est une erreur de rentrer dans l'axe et le zoo. Excusez-moi, j'en oublie mes politesses. Ah, bonsoir tout le monde, c'était pas mal. Quel fumier! Quel fumier, c'est la chou géant! Aïe aïe! Oui, surtout qu'en plus, merci Ota, mais indirectement, tu nous rappelles gentiment que dans le step-up, il y a le Shuei Tag Team. Bah, c'est un personnage, j'avais... faut le passer SP2, enfin SP3, SP8. Oh bah oui, moi dans mon cas, il va prendre un SP5 de la multi gratuite. Hein. Non, la single gratuite. Non, la single gratuite. Hein. Mais non. Alors, en plus, par contre, s'il te plaît, le jeu, je veux dire, à un moment donné, je prends soin de toi depuis plus de 850 jours. Et à un moment donné, un peu de respect, s'il te plaît, quoi. Hein. Tu me bouffes tout mon temps, hein, une grosse partie. Donc, s'il te plaît. À un moment donné, le Shuei Tag Team, je l'ai passé SP10. Le Shuei Tag, j'ai acheté son pack perso à 27 balles. Enfin, SP10, je l'ai passé triple 10, le Shuei Tag Team. Le Shuei Tag, j'ai pris son pack à 27 balles pour le passer SP5. Donc, s'il vous plaît. Non, non. En soi, Guy, il y a 2% de chance de drop un perso. un perso premium. Après, ah, je dis ça, oui. Je veux pas te porter la poisse, hein, le Shuei Tag. Ah, mais moment, oui, 2%. Ah, mais on sait très bien comment je l'ai droppé sur la guerre sanglante 4 sur ce step-up de ses morts. Je l'ai droppé sur le 2% hors bannière. Le 2%, il y avait 144 putains de persos à côté. Il faut que je poule un hors bannière sur du 8%, sur un taux de possibilité de 2% seulement sur 8, et que sur les 144, je tombe sur ce con. Incroyable. La probabilité là, que ça arrive, c'est fou. Là, je suis en train de regarder, t'as 0,007% de chance de dropper ce chou. Et je les ai eu, incroyable. Et même moi je vais la boule en plus de rater. Ah merde, en qu'est-ce que tu dis? Attends. En plus de me racheter un foie mardi, je vais là, devoir portail, là. Investir c'est dans des 0,007. Merci Raikon, accent circonflexe, accent circonflexe. Alors moi j'ai pas compris, j'ai entendu un merci Raikon à la fin du message, mais j'ai absolument rien bité. Ah. La voix elle a un petit peu déformé ton message. Ah. C'est un signe que tu vas dropper le Shuei manga. Mais quand ils veulent, il est goldé le Bankai de Shuei, il est goldé. Salut Nicolas. Pardon. Non mais je pense qu'il faut s'entendre à... Je pense qu'il faut s'entendre à un porté roman au milieu de moi. Parce qu'ils ont... Bah comme pour le Lucura en fait, Lucura ils ont annoncé le Lucura tout ça. Et ils avaient teasé en fait le Ewatch en fait en personnage manga. Et Bankai Live en fait là ils ont teasé en fait comme quoi t'as déjà deux personnages confirmés. En roman c'était bah, ceux qui ont eu leur doubleur, le méchant et... Ouais. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, il y a ces deux là qui ont été teasés donc je pense qu'il y a fortement probablement un porté roman au milieu de moi. C'est là où ça va être douloureux parce que derrière ils commencent à nous teaser gentiment la vague 5 sans toutefois rien dévoiler. Donc la vague 5 elle peut très bien arriver fin janvier comme elle peut arriver que pour l'été prochain. Bon, j'exagère un peu, mais. Bon, je pense que Kelab ils vont enchaîner trois gros portées d'affilée aussi. Bah, non, mais tu connais que les chiens. Connais les bails, hein, je commence à me méfier moi de Kelab hein, par rapport à tout ça. Link extase de la mort pour Shuei. Oh, ce serait pas impossible ça. Ouais, ce serait pas impossible. Tu te rappelles l'année dernière, on a vu la vague avec Retsu. Juste derrière, on a vu le portail avec Yamaji. Le parfait counter pour... oh. Yamaji. Parfait. C'est sûr qu'ils avaient fait ça, ouais. Ouais. Ah, mais deux portails encore, je peux comprendre, mais trois, non, je pense que c'est... Non, mais toujours plus, hein, c'est Calab. Arrête, fais pas genre, tu les connais au bout d'un moment. Ouais, mais bon. Vous en faites pas, le jeu vient de disparaître, c'est parfaitement normal et maîtrisé, rassurez-vous. Yeah. Nous, ça va bégayer, hein. Je sens que je vais pas réussir à dormir cette nuit là, je pense aux portées toute la nuit, c'est. Ah, bien oh, bien. Pas mal d'entre nous. C'est bon, dans 7h. Dans 7h, un coin coin. Quoi, tu bugs, gros. Là, je peux te dire que tu es en PLS avant. Bah, même après, t'as vu. Pourquoi il lance Blue Star?
Ah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui aimait pas vraiment pas le c'est façon pour... de. C'est pour tout que je l'envoie des mots. Je lance Boostax parce que j'en ai doucement ras la caisse que depuis tout à l'heure, le moindre clic que je fais sur Sightseeing sur l'interface Beach me fout l'encodeur d'OBS en PLS. Donc, Sightseeing, tu vas pas tarder de toute façon, on est définitivement. Ça, on a failli pas voir ma vidéo. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oh putain, Yaitsu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ça faisait longtemps. De quoi ? Qu'est-ce qu'il fout ? Yaitsu sur le chat. Ah bah, il est passé il y a pas longtemps. Je crois qu'il est passé. C'est quand ? C'est hier, je crois. Et bonsoir au passage Itsu. Go live jusqu'à 8h du matin. Hier. Non. Non, allez, vous t'y connais pas, j'ai mes mômes, demain ça va être chaud. Et t'as pas un café s'il te plaît. Une cafetière en intraveineuse plutôt à ce tarif là, ouais. Tu vois pour le matin. Et bonsoir Rémi, bonsoir cher You. T'as un vox sur DB Legends. Non, j'ai pas encore trouvé le temps. J'suis tellement désespéré. Je sais pas quand je vais faire. Quand je vais le faire. Guy, quel est ton vrai nom? C'est une vraie question. Gertrude. C'est dans le nom de la chaîne, cherche bien. C'est Jean-Pierre. C'est David. Oh. David, c'est un maxit comme prénom. Aizen. J'ai entendu la grosse voix. C'est David. Énorme. Et... Kurosaki Ichigoda. C'est tellement crédible en plus, putain. Excellent. Anthony Bakayaro. Ça marcherait... mais ça marcherait tellement, mais putain, mais postu chez Bleach MX pour faire la suite, quoi. Propose leur ta voix, fais quelque chose. Je vais faire non. C'est qui faisait cette bonne Zakura la dernière fois? Bon Kai. Senbon Zakura Kageyoshi. C'était Reiken. Non, arrête, non, tu vas trop loin là. Otake, non, sérieusement, je peux pas faire ce genre de truc. Vous imaginez, j'en fais quoi de mes enfants, quoi. Tu les vends. Ouais. Aujourd'hui, dans complément d'enquête. Pardon. Ouais, je les revends contre un pack potion sur non, BBS. C'est une enquête spéciale. Ah, mais là, encore un pack perso, je peux comprendre. Bah, j'ai pas la phrase d'enquête spéciale. Il faut des ans, faut poule. Écoute, attends, je vais sur le tube 2 secondes. Ah oui, bien joué, Aruto. Hein. David Koudenov. Aujourd'hui, dans Pascal le Grand Frère. Ça sent plus grave, je te jure. À notre tour, on va réinventer le voice acting, hein, mais ça va être dégueulasse. Hein. Oh, est exclusive. Les organes se vendent cher. Ah oui, les organes, c'est comme les vêtements pour les gamins. Plus c'est petit, plus ça se vend cher. Pardon, je suis un connard. Je pense pour les nouveaux 5e année, ils vont t'obliger à poule pour le manuri. Otakulo, Kyoga Sugets. Le Gisama de la Rukia. Arrête, tu t'enflammes, Reiken. Ah oui, arrête. Sur l'aspect, sur la troisième strong. Bien joué. C'est pas lui qui fait la voix d'Aizen, c'est Light. Non, c'est le Broly sur DB Legends. Non, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai pas. Le skipper du Broly Ikari, non, je l'ai pas eu. J'ai le Broly gratos, là, le Vanilla, quoi. Oh, j'ai fait Light, mon fils, entre 10 balls in single. D'ailleurs, faut que je fasse mes poules sur Dokkan Jap. Faut que je cherche la stab sur SSF. Karim! Oui. Le new mode coop, exactement, MV, le nouveau mode coop, ça va chier sa mère. Il va être gros, ça va être Karim. Hein, ça va être... Pourquoi il a gueulé Karim? C'est dans Enquête spéciale. Oui, non, mais c'est le daron qui appelle son fils comme ça dans le supermarché. Et je vois tellement. Dis dans son compte, tu vois, mais qui s'énerve contre lui. T'as poule mieux que moi sur le cas. Vie en vidéo. Oh bravo, tu as eu mieux que moi hors vidéo. Putain, tu casses tes couilles. Oh la vache, putain, Suzaku, tu t'es mis tellement bien en une seule multi. Mon dieu. Défoncer ta race. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, dans le complément d'enquête, nous retrouvons le youtubeur Guillaume. Guillaume est un petit peu fâché contre son fils, car je cite, il a mieux poule sur moi sur Dokkan. C'est pas très très cool. Ah, mais t'as tellement la voix du journaliste à sujet de merde, en fait. C'est ouf. Comment c'est pas lui qui est journaliste de merde là. Ah, je sais pas, j'ai pas les noms. Je sais pas. Comment il s'appelle ce con? Ah, je l'ai plus. Je sais plus, bref. Bonsoir, sorti du taf, je m'installe. Eh bien, installe-toi et. Bienvenue à toi, Manuel, bienvenue. Demain, je vais me déconstiper. Tu vas t'arracher les intestins. Ah, tu vas poule, c'est ça? Je vais chier. Demain, là, c'est mon lapin. Alors, non, attendez, vous prenez pas le travail de mon lapin qui est de chier des orbes. Calmez-vous. Eh, family friendly, hein. Oh. Non, parce que c'était quoi déjà la dernière fois? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y avait le mot hack dedans, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit l'autre coup? Que je devais te prêter mon lapin à Non.
Non mais Ota, c'est un golden lapin, toi, c'est un golden bunny. Ah, c'est un golden chapin. Golden bunny à tout moment. Demain, je me fais... Je vais me la donner pour les coops. Demain? Oui, remarque, oui, il y a de quoi faire. Demain, vous avez 600 heures à vous faire à partir de 8h, les gens. Et vu que t'auras rien, ça te fera chier. Bon, oh, putain, Worms est devenu Nostradamus, toi, subitement? Je suis déçu qu'ils n'ont pas sorti de nouveau personnage pour les... Je m'attendais à un nouveau personnage tous les 6 mois, en fait, pour les 5e. Il aura déjà un minimum, au minimum un perso 5 étoiles garanti. Ouais, ça, c'est le mode consolation, ça. Qui va être souhaité. Ah oui, non, oui, on a le 5 étoiles. Voilà, j'annonce en live, son personnage garanti est gratuit, enfin pas gratuit, du coup, il va s'appeler Shuai Tactile. Non, non, Shuai Tech, t'as 2%. Je suis contre 1300 ordres, on appelle ça un lapin, c'est ça. Alors, il non, le garanti... Pratiquement, oui, pratiquement. Non, le garanti, non, je pense que dans ton cas, c'est bon, en fait, maintenant, t'es plus vieux que moi sur le jeu, donc quoi, ça marche. C'est Loot Wars. Oui, merci, bien joué, Sherko, ouais. Je sais pas si quelqu'un l'a référence. Je t'envoie une pièce de champagne sur Tipeee. Ah, une petite pièce de champ. Ah, ça se dégustera volontiers le soir même, tu vois. Ça, c'est un aspifion, ça. Ça, c'est une belle bête, ça. Tu mets combien d'heures de temps pour choper l'Uchigo direct? Oh, clairement, si, admettons, imaginons. Enfin, c'est pas que l'Uchigo, je focus pas que l'Uchigo. J'ai que 4 persos sur 12 sur l'ensemble de cette bannière. Le but de l'opération, c'est que je puisse m'en tirer le mieux possible. Donc, je vais faire une rota complète de toutes les multi. Et la vraie question, c'est... à la fin des 7 steps, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Ça va être ça la vraie question. Tu vas t'arrêter et puis aller full sur la... 996 jours, Itsu. Oh putain, la vache. Oh, pas mal. Mais t'as quoi, 1000 jours? Tu gagnes un truc à 1000 jours, tu gagnes quoi? Ouais, sans rien. 5 orbes. Non, non, c'est une autre chose. Non, non, attends, voici, on remarque... Est-ce que ça va être si différent des 100 orbes habituels? Il va y avoir quoi, 100 orbes? Peut-être pas. Bah déjà, 100 orbes, je pense que c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bon, 100 orbes, c'est bon. 100 orbes, c'est propre. S'entendre pour avoir passé 1000 jours sur un jeu, à farmer, à oui, chercher... Oui, mais tu cumules, oui, mais tu cumules tous les orbes jusque là, avant, tu vois, ça fait énorme. Et les 11k bref battle, on en parle qui jusque-là donnait plus que 5 orbes. Ah, mais ils n'avaient pas corrigé un truc comme ça, genre ils ont vraiment remonté à 50. C'était de 11k à 20k, ça donnait 5 orbes, parce qu'au-dessus de 20 000 bref battle, t'avais plus de récompense. Ah, d'accord. C'est ça, c'est... En gros, c'est plus tu te la donnes et moins tu lootes, quoi. C'est excellent. C'est ça, voilà. Un tour fou, ouais. Un tour de fou. Donc là, actuellement, ils ont augmenté la limite à 40 000 Brave Battle. À 50 orbes, et aussi à 50 orbes. Ouais, c'est à 50 orbes, mais t'en as qu'ils ont plus de 54 000 Brave Battle, donc... Kiki et faire super, là, ce qui m'intéresse surtout, c'est les faudeurs, en fait. Marc, tu me diras ce que je pourrais faire pour les faudeurs, c'est... Oh non, même pas. Mais tu fais... Si tu veux des faudeurs, ce que tu fais, tu fais les... Remarque, je pourrais faire les cours intensifs. Cours intensif, ouais. Tu regardes là où il y a le plus de 5 étoiles. Si tu sais un qui a que des 5 étoiles, tu fais celui-là et tu utilises les. C'est pour foot, c'est ce que je fais des fois. 5 étoiles garanties et de la sélection. C'est 5 étoiles garanties parmi les 12 bannières, oui. Au step 6, c'est ça, oui. Avec 3000 orbes, je suis bien. Alors, en fait, ce qu'on va dire. Oh, Yelou, coucou, ça roule. Oui, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Lucas, par rapport à ta question. Oh bah tiens, d'ailleurs ça tombe bien, je suis en limite de perso. Disons qu'avec 3000 orbes, on va dire que t'es confort. Mais ça te garantit pas forcément de dropper tout ce que tu veux. C'est-à-dire que clairement, tu vas pouvoir choper 3-5 étoiles ultra goldées sur la multi gratuite. Comme tu pourras écouler tes 3000 orbes et te taper full doublon de chiasse hors portail, dégueulasse. Bref, c'est... Ou alors ne rien avoir mis à part le 5 étoiles garanti. Oui, exactement. Ou le 5 étoiles garanti. Ouais. Je t'ai pas souhaité bonne merde aussi, pour demain, bonne soirée. Ça marche, ma merde aussi, Itsu, écoute, bon, oui, bonne merde, ouais. Voilà. La bonne merde qui va bien. Et bonne soirée à toi aussi. En combien de temps je vais faire les 600 orbes des coop? Et ben, Yous, après, ça va dépendre de ta régularité sur les coop et de ton pif à ne pas retomber sur les mêmes joueurs. Parce que du coup, c'est les orbes, vous les gagnez qu'à partir du moment où vous croisez une fois un nouveau joueur. Après, je pense qu'il y aura tellement de monde que ça serait... En soi, une bonne semaine, si tu te focuses assez un minimum, je pense que c'est, tu les as. En une journée, même c'est... Pas en une journée, ouais, c'est... Ça va aller vite, hein. Oui, si tu enchaînes coop sur coop, ça va aller très vite. Hein. Surtout qu'il y a le... Qu'on appelle ça le... Il y aura les tickets. Le truc des tickets. Ouais, le truc de tickets, il y a tout le monde, tout le monde qui va le faire, ça. Ils vont fermer assez vite, quoi. Je dois avoir rentré mais un ticket dans la box. Je préfère me dire que si je me fais rouler dessus, j'ai encore 600 heures à faire, tu vois. T'as déjà un groupe ou pas pour tes coop? Est-ce que tu as fait des guides ou des tutos pour les débutants sur Bleach? Oui, j'ai traité de différentes thématiques, effectivement, sur des trucs simples, comme des trucs un petit peu plus poussés, mais je suis jamais vraiment rentré dans les, on va dire, les gros tutos experts, pour ainsi dire.
But de l'opération, c'est que ça puisse s'adapter aussi à ceux qui ont démarré le jeu il y a peu de temps, quoi. Tu as 3000 heures prévues juste pour Hachiko, tu prévois de paquer pour après. Ben, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va vraiment dépendre de ce que je vais dropper, quoi. C'est, si ça drop bien à ce moment-là, ben, je pourrais peut-être envisager d'arrêter de pull assez tôt. Par contre, si ça drop peanuts, ben, on va continuer, quoi. Oh, bien, le Red Hachiko, il est très bien. Il y a 4 fodder 5 étoiles. Ah bah, tout comme Ewatch, très bien. Ah bah, dans ce cas, tu fais les Hachiko, comme ça, t'amasses... 1-1, ouais. Hachiko et Ewatch. Hop, ouais. Ça te fait mal de fodder, en fait, c'est... Bah, je vais commencer par Hachiko parce que vu que du coup je run avec Mayoruichi Noël pour le coup. Ouais. Ou sinon, sinon à la limite, t'as les runs normaux, les runs avènements normaux. En fait, il y a le personnage plus en fait. Guy, pourquoi tu fais pas les avènements pour gagner les 54 000 XP ? Parce que j'ai trop piffé les drops de perso dessus. Quoi. Non, mais je te parle juste pour l'XP. Au lieu de faire le mission de cone qui te rapporte 20 000. Ah, mais c'est pas l'XP, je m'en fous de l'XP. Là, clairement, ce que je voulais c'était des fodders, j'ai plus de fodders. Ah d'accord, pour ça que t'as fait le cône. Ouais, c'est ça, ouais. Je récupérais des cônes en 4 étoiles, les Orihime, etc. Non mais question, après, a, mon cerveau quoi. Je dirais que les tendances YouTube... Ah, oh merde, attends, what the fuck. J'ai cru comprendre. Alors c'est Guillaume Bingui qui le dit, salut Guy, petite question, il y a plus le direct dans les tendances YouTube ou c'est que moi? C'est possible que non, parce qu'effectivement, lorsqu'on a fait la diff du Mankai Live, on était plus de 1500 personnes en live, donc évidemment, dans les tendances, je ne doute pas que ça a dû remonter assez haut. On a commencé le stream, on était plus de 900 personnes, donc ouais, ça devait commencer à cartonner un petit peu dans les tendances. Là, on est un petit peu moins de 600, donc on va dire qu'on est sur un rythme de croisière pour un stream glitch, donc... Peut-être que ce rythme de croisière n'est plus suffisamment valorisant aux yeux de YouTube pour nous mettre en tête des tendances, hein, je peux comprendre. Après, il faut bien laisser Jean-Kevin avec son stream Fortnite faire ce qu'il faut, quoi. Excusez-moi. Jean-Kevin, 12 ans, joueur de Fortnite professionnel. Ouais, voilà. Nous retrouvons Jean-Kevin. Jean-Kevin est un joueur ardu de Fortnite. Ça marche, RF, merci beaucoup, bonne soirée pour toi aussi, une bonne nuit, merde pour demain, et à la prochaine. Oh oui, oh oui, oh 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 oh, oh 8 fodder 5 étoiles qui tombent comme ça du fin fond du coup, mon lapin magique incroyable. Ah bah t'as vu. Bah voilà, tu vois des fodder, t'en as plein. T'en as plein. Et moi quand j'ai besoin de fodder, pour les tickets. Ouais. Ouais. Franchement, le bankai de Kensei pue la merde, logiquement maintenant que Izagi il a le bankai, il doit prendre la place de Kensei. Je vois pas pourquoi. Alors c'est clair que si on commençait à donner des critères esthétiques pour les bankai pour déterminer qui serait capitaine ou vice-capitaine, putain, l'ordre serait celle-là. Ok, serait capitaine. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que Iba, il a fini capitaine, on n'a jamais vu son bankai, on sait même pas s'il en a un de base. Tu me diras, c'est comme Aizen, il était capitaine et son bankai... Mais Aizen, on savait qu'il avait un bankai, mais... De toute façon, c'est un critère pour devenir capitaine. Ouais, j'avoue, c'est un critère. Il faut maîtriser son bankai. Et c'est pas parce que un Shinigami ou un vice-capitaine maîtrise son bankai qu'il prend forcément la place de l'ancien capitaine. Mais regarde Renji. Voilà, il a pas viré bien connu pour autant. Non mais en soi, Toshiro n'a pas maîtrisé son bankai encore. Enfin, mais Renji, il est vice-cap de Byakuya, et Byakuya il est pas mort, donc... Sinon on peut parler de Kenpachi, hein, comment il est arrivé capitaine, lui. Parce qu'il a fait un monstre. Alors lui, c'est différent, il arrive à rivaliser en fait avec les autres capitaines sans Shinigami. C'est même pas ça. C'est surtout qu'il a tué le précédent. Il a surtout tué le précédent capitaine en poste. Ouais. Oui, c'est en plus de ça. En plus de ça. Non, c'est juste ça, il a juste tué l'ancien. Le mec, il est arrivé, il a posé ses boules sur le bureau. Pas de bankai. Yep, Tono. Pourquoi Tono? Nono le taureau, j'ai fait Tono moi. Très bien. Non, mais ça, c'est parce que c'est bientôt le premier. C'est demain soir, ouais. Je suis en train de participer. Merci Nono. La bonne soirée, des bisous. Je n'aurais pas posé la question, quel est le bankai de Hiroichi? Et à la prochaine. Déjà, est-ce que tu la vois déjà avec un sabre Kakuto? Voilà, allô. Demande-lui à quel moment elle sort son sabre. Et de surtout d'où elle le sort, je serais curieux de savoir. Attention, question. Ah non, mais... À un moment, dans le passé, elle voit qu'elle porte un sabre Kakuto en fait à la ceinture, mais c'est dans le passé, et après, on sait pas ce que... Ouais, c'est plus une petite épée de combat, quoi. Là, je crois qu'elle fait... C'est un ornement décoratif. Et je dirais que c'est le sabre Kakuto de Soifone. Ouais, ça peut être son impacto qu'elle a délivré. Ça se tient. Bankai Jaiko Koren. Pardon, je me suis un peu... Bankai sauf qu'à l'époque, il avait la couleur... La chatte en puissance. Sauf qu'au lieu d'être jaune et noir, il avait la couleur du pelage d'un chat. Une grosse fusée. Neko-neko-nekonomi. Il y a un personnage, j'aurais bien voulu voir en personnage Shinkemon, c'est le Ichigo Fullbring, mais pas la version Shinigami, la version humain. Ouais, en mode badass avec ses flammes rouges, là, noir et rouge. Ouais, c'est... avec sa tenue... Ou le Tados. Et Fullbringer, tu vois, tu mets un petit... Franchement, un temps de recharge
Nad plus 20, tu vois, je pense que ça aurait mis un peu plus. Non, non, juste, on va juste s'arrêter. Alors, on a loupé, veut le personnage. On a loupé 2, oui, bah. 3. Oh, putain, on a loupé 3 loots, bordel. J'ai loupé le loot de Dio qui me dit oups, je regarde le live et j'oublie de faire des loots, c'est pas sérieux tout ça. T'inquiète, c'est pas grave, Dio. Merci. Le principal, c'est d'y penser. Ryan, qui nous a mis un joli petit point noir, bouton. Oh, ok, merci. Nous avons Darts94 également, Yopgi 4 Multi, 0 Gogeta. Je suis dans le même cas que lui. Et il y en a qui drop les bons persos en 150. Hein. Ouais, j'ai mis 200 dés sur le portail. C'est à gratos. Et j'ai l'impression que tu vises quelqu'un quand tu dis qu'il y a des gens qui drop. Non, mais je sais pas, je joue même pas à Dokkan donc. Ah, Dokkan, je joue juste pour pool, j'aime pas le gameplay. Il y a plein de messages encore qui sont en attente. Putain, nom de Dieu. Bah, sur Dokkan, tu te fais clairement chier, tu tires sur des boules. Hein. Bah, c'est ça en fait, je suis niveau 470 sur le jeu, il m'a saoulé. Bah, forcément. Il a voulu pas tout ça, tu vois, depuis que je suis sur Bleach, Dokkan, je me connais qu'une fois par semaine. Je fais un petit rafraîchissement. Ah bah tiens, justement, on a bien fait de faire un petit rafraîchissement. On a un message de Warzray qui approche, qui nous dit « Yo, comment ça va? Je viens d'arriver. Le rhum m'a tenu la jambe. » Ah, moi ce qui va me tenir la jambe, ça va être la bouteille d'Armagnac que mes beaux-parents m'ont gentiment ramené aujourd'hui. Et oui, Okitake, il a un bankai. Je pense qu'il est tellement malade. Pardon, il avait. Et c'est comment comme Kurakou, on l'a pas vu avant. La Milan, quoi. Et Kurakou, on l'a vu seulement dans un manga. Ah oui, alors ça marche, Yelou. Merci beaucoup d'être passé. Une bonne soirée à toi et à la prochaine. The Raven HD. Tu dis chaque message en dessous du mien. J'ai le seum, même si je sais pas si tu fais exprès. The Raven, écoute, je viens de faire un point à l'instant sur les messages loot. C'était quoi ton blast sur les messages? Parce que. En tout cas, c'était The Raven. J'ai vu aucun message loot avec ce blaze. Hein. Kirito Reapers, ici, Ishin était capitaine de la 10e, il me semble. Ouais, cancer no jutsu. Ouais, c'était la 10e division. En tout cas, si c'était The Raven, non, je vois pas de base être marqué The Raven dessus. Hein. Personnellement, j'aimerais bien voir. Mais bon, je pense que tu vas sortir, ce sera le roi spirituel en jeu. Moi, je dis, hein, Rukia capitaine. Ah, Rukia capitaine, c'est une dingue. Mais oui! Autant je vais pas enchaîner ma famille. Ouais. Oh, GG, bah, ça va faire plaisir, ça, The Diogo. Bah écoute, merci d'être passé. Écoute, une bonne journée pour toi. Je sens que demain, ça va être goldé pour toi. Donc, amuse-toi bien. Des bisous. Et puis, à la prochaine. C'est clair que Rukia Capitaine, c'est autant que j'ai eu deux. Ah non, c'était des messages dans le chat, The Raven. Putain, je pensais que tu parlais de messages sur Loot. Autant pour moi. Quel con. Ota, tombe dans tes escaliers. Alors, et pour information, c'est un loot, donc voilà. Donc, on va répondre vite fait à la remarque que tu faisais dans ton précédent message. On est approximativement encore 600 personnes en stream. Il n'y a pas de mode ralenti, je peux pas lire tous les messages. C'est compliqué. Donc, tu as eu deux Aizen Papillon et une Soifone en une multi, du coup, Aizen P3 triple 10. Oh putain, la vache. Oh, ça commence à mettre des claquages. Faut que t'adoptes le strabisme no jutsu. Le strabisme no jutsu. Ah, bon, non, ça ira, ça va. Il paraît que j'arrive à avoir 12 sur 10 à chaque œil, je savais même pas que c'était possible. Merci mon ophtalmo. Quoi? Comment ça? Ouais, 12 sur 10 à chaque œil. Ouais, sans déconner. D'après les barèmes de notation des ophtalmos, j'ai 12 sur 10 à chaque œil. T'arrives à voir dans le futur ou ça passe comment? Ah, bah ça, faut que tu demandes à mon ophtalmo. Moi, je t'avoue que j'ai pas l'air. Il s'appelle Katakuri. Katakuri. Le mec, c'est un ouf. Pour les loots, ça se passe ici. Je vous mets le lien dans le chat. Du coup, il faut que je finisse de maxer. Comment s'appelle-t-elle? Non, John, c'est pas ça. Rukia capitaine, Ota, il vend son. Non, mais il vend ça, il vend tout, il vend même un rein. Tenez, Ota, un rein. Il vend sa mère. Kirito, si Ishin a un lien avec le Getsuga Tensho Ultime, c'est juste. Bah, il ne l'a pas utilisé, mais il sait comment le faire en fait. Ouais, il connaît la technique, mais il l'a jamais utilisé. Trop dangereux, je vais d'abord me servir de mon fils comme d'un cobaye. Ah, j'aimerais bien. Mon cher fils adoré, tu peux essayer cette technique avant moi? Oui, merci. Ah, bah, merde, elle est rouge. Pardon. Excusez-moi. Non, en vrai, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi la Div Zero n'a pas intervenu dans le combat d'Aizen en fait. Parce qu'ils s'en foutent. Ils n'ont pas le time. Parce que, la Div Zero, si tu veux faire plus simple, la Div Zero, c'est l'agence touristique. Non, mais franchement, c'est eux qu'on appelle quand on a plus de solution. Le temps de descendre. Le problème, c'est que comme on a plus de solution, on les appelle, mais ils en ont pas plus que nous en fait. Si, Keish, le nom de Zenpakuto Dishin, c'est Engetsu.
Ouais, Engetsu, il est trop stylé. Ouais, c'est grave stylé, Engetsu. Engetsu. C'est trop stylé. Oh là là. Il faut récupérer tout ça. Ah, vous êtes chiant, on entend les Kikujap, là. Hein. Tu as acheté tous les packs perso. Blaise, non, j'ai pu en acheter que 3, là. Clairement, avec toutes les dépenses faites à Noël, plus là, j'ai reclaqué une très très grosse enveloppe pour commander du matos qui va arriver la semaine prochaine. En gros, c'est merde, mais... Non, là, j'avoue que... Par contre, Guy, t'as oublié mon enveloppe, hein. Ouais, j'ai dû oublier l'enveloppe de beaucoup de gens, je pense. Avec 12 d'acuité visuelle, t'as développé ta vocation. Ouais. Je sais pas laquelle j'aurais pu avoir avec 12 d'acuité visuelle, mais... Sherlock Holmes. Je sais. Une bonne, t'inquiète. Ouais. J'ai dit à mon frère que si j'ai lui Chico demain, je dois vendre tout. Mes persos sont mon compte principal, du coup, j'ai envie de l'avoir et en même temps, pas envie. Ah bah autant que tu réiras, autant que tu réiras et que tu recommences un nouveau compte et que tu tires dessus, ça te fera moins mal. Attends. S'il drop le Ichigo sur son compte principal, il supprime tous les persos de son compte. Donc il supprime le Ichigo du coup. Bah oui. Techniquement, c'est si. Techniquement, ça se tient. Petit... Bah, dans ce cas, tu poules. Tu sais quoi, si tu veux être sûr de. Bah, dans ce cas, tu poules pas. Si, il poule sur le portail. Merci, ZEMR. Ça fait plaisir à lire ça, merci beaucoup. Un stream de soir, merci de me divertir de le faire marrer, de m'avoir fait redécouvrir CCF. Merde pour demain et surtout que l'année prochaine soit aussi cool. Elle le sera même encore plus. Vous verrez, commencerai à avoir des changements au fur et à mesure du mois de janvier déjà. Normalement, je terminerai le mois de janvier avec la totalité de mon setup qui sera complétée. D'ailleurs, je vais vous le préciser maintenant, une très très grosse partie de ce renouvellement de matériel a été payé par vos dons et par la YouTube Money. Hein, n'oublions pas, bah oui, ça sert à quelque chose. Et Florian, non, Ishin n'a pas utilisé le Getsuga Techo ultime pour défendre la mère d'Ichigo, sinon il ne pourrait plus utiliser ses pouvoirs de Shinigami, il n'en aurait plus. Je sais pas si tu as vu, mais c'est ce personnage est en photo sur la carte de vœux 2017. Quel Je sais pas, Mathieu Dola qui m'a laissé un message sur Lutz. Attends, je vais aller voir. Il n'y a pas de ticket gratuit par affinité. Si, tu l'as loupé, KLM, c'était cet été. Il y a... J'aimerais bien, en fait, qu'ils mettent un portail manga, mais avec la mère d'Ichigo du passé, Ishin et Ryuken pour... Parce que j'ai un Reaper qui aime beaucoup Ryuken. Attends, la carte de vœux 2017 Ouais, j'avoue qu'il devrait nous faire un beau... En soi, on a l'Ichin Vitesse, tu vois, qui est pas mal, mais... Oh, c'est un gros coup. Après, je vais te dire, c'est un nad et personne joue nad pour être vrai. Ou très rarement, c'est. Généralement, c'est les nads, mais à distance qui sont. Yes, d'accord, j'avais pas capté. Effectivement, le personnage de la carte de vœux 2017, putain, c'est la Rukia, c'est l'exact car design de la Rukia de cette année, quoi. Il avait dit, c'est ce qu'il a dit, Mathieu, apparemment, Kaylay. J'ai pas capté. Il l'avait dit, moi. Mais non, il me semble pas qu'il utilise le Getsuga Techo. Ultime, d'accord. Sinon il pourrait plus utiliser. Non, il l'a pas utilisé. Après, peut-être que c'était expliqué dans les romans qu'il l'a utilisé, mais je pense pas du tout. Sinon, son combat contre Aizen, je vois pas comment il pourrait utiliser ses pouvoirs du Shinigami. De toute façon, tu me dirais, dans Bleach, il y a toujours un moyen de récupérer ce pouvoir, c'est ça qui est un peu lassant, tu vois. Non, mais Ichigo, il avait sa raison, entre guillemets, avec ses pouvoirs dormants, tout mon cul m'habite sur ton front là. Mais Ishin, non. Il a juste ses pouvoirs de Shinigami, basta. S'il utilise son Getsuga Techo Ultime, il peut plus. J'ai encore des ans free-to-play à gagner, moi. J'ai pas terminé de refaire l'event Oryu. Ah ouais... Putain. Tu as 10 ans à gagner. Incroyable, mon petit... Non, les 40 ans, récupérer dans les... Ouais, les cristaux, là, les limites de cristaux. Dans les objets de mission, là, avec le nombre de cristaux. Aaron, non, il y aura pas de live demain matin. Ah non. Et puis encore moins demain soir, hein, parce que... Et ça va être c'est jour de fête, les gars, faut pas trop demander, hein. Le gay aussi a une vie. Hein. On dirait pas, mais il en a une. Hein. Ça, c'était un petit pic. Non, mais il a pas tout à fait tort, parce que c'est clair que c'est pas la journée d'aujourd'hui qui leur démontra le contraire. Hein. Ouais. C'est... Aujourd'hui, ça a été un peu festival du nimp sur 20. Putain. C'est vrai, t'as charbonné, quoi. Non, j'allais faire une blague raciste. Demain matin, le portail va apparaître, mais les orbes vont disparaître. Kirito, on sait pas. Péter un plomb, Kaila. J'ai pas compris leur politique de com, quoi. Ils ont balancé devant Kaila, ils ont balancé des teasers dans tous les sens depuis vendredi, et c'est dimanche, veille du lancement de tout ce bordel, qui lâche tout le paquet d'infos, quoi. Vous pouvez pas tout étaler ça sur le week-end, bordel.
Ouais, pareil, ça aussi, ça m'avait saoulé, en fait, c'est le fait qu'ils annonçaient, en fait, ils ont pas annoncé les petits... Parce qu'il y avait rien lors du Calab Game Station, du coup, je me suis dit, ouais, bon, ils vont tout annoncer au petit live, mais non, on a pas eu... Enfin, on a eu les gros infos, les gros trucs, mais on a pas eu les petits trucs, genre le gameplay, les stats, les events, les stats. Qui est arrivé. Bah, ils auraient dû mettre au moins tous les events, tu vois, on a eu quelques events, quelques nouveaux events, mais c'est tout. C'est... Enfin, les events qui vont arriver dans longtemps, quoi. Ah d'accord, une simple Strong 3 ça suffit. Ouais. Remarque qu'en même temps elle est à plus 170% de spé, donc ouais c'est peut-être pas inutile. Lucas, pour répondre à ta question, le Ichigo se jouerait comment pour toi? De préférence avec ton téléphone entre les mains et avec tes doigts. Oh putain de merde. C'était pas ça la réponse attendue? Excuse-moi. Non, naturellement par rapport au personnage, orientation, pression spirituelle, et moi je sais que ma manière à moi de le jouer ce sera le bourré de temps de recharge. Bah, la manière de jouer, ça sera de jouer en Link. De toute façon, le meilleur façon de jouer les personnages, c'est temps de recharge. Bah, surtout qu'il a déjà un 14% natif, quoi. Ça demande qu'à être exploité, ça. Oui, bah oui. C'est... Après, voir comment il peut se démerder en QDG, quoi. Mais... Je pense pas, hein. Oui, QDG, c'est généralement c'est triple temps de recharge. Ou à la limite, tu fais temps de recharge à la 5ème. Yep. Vas-y, ça marche, bonne soirée. Bonne nuit, toi. Mais c'est qu'il a une plombe du mal déjà. Oh merde. Oh putain. Bonne soirée. Bonne nuit, tout le monde. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ça marche, Raven. Merci beaucoup, bonne nuit à toi aussi, et à la prochaine. Je crois que Lutz ne fonctionne pas chez moi. Alors, est-ce que tu as vérifié si toutefois Lutz ne t'avait pas envoyé un mail qu'il t'aurait demandé de valider? Ça... Après, Lutz, ça met un peu de temps à s'envoyer, vu qu'il y a un délai aussi. Je confirme. Il y a un anti-spam, si vous voulez, sur Lutz, pour éviter que le live se transforme en une véritable vitrine publicitaire. Il y a un anti-spam de 2 à 3 minutes entre chaque message. Du coup, le message, il risque d'arriver d'ici 10 minutes, 20 minutes. Bah, avoir peut-être même plus, parce que quand on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai 14 messages en attente. Ah, mais je crois qu'ils en suppriment de temps en temps, parce que j'avais envoyé 2 loots à un moment, et les deux, bah, ils se sont pas envoyés, alors que j'avais bien confirmé par mail. Ouais, t'avais fait tout ce qu'il fallait. Ah oui, non, mais j'ai clairement fait tout ce qu'il fallait, mais les trucs, ils se sont pas envoyés. Voilà, allez, hop, easy. Bon, ça, c'est des persos que je passerai 200 quand je me serai fait des larmes. Notamment des larmes. Seule fois où ça avait marché, c'est quand j'avais marqué RPZ de Viper. Attention, attention, regardez devant vos yeux ébahis. Oui. Pef, 225 orbes de plus, incroyable du cul. Ah, incroyable. Oh, bah, j'ai encore chié des orbes. Génial. Dis donc. Bah, c'est beau ça. Quelle puissance, incroyable. Y a des gens qui vont faire une nuit blanche ici. Pour ma part, non. Moi, je vais peut-être faire une nuit blanche, mais à contre-cœur. C'est juste parce que je vais trop... Si je fais nuit blanche et le lendemain, il y a soirée, à 22h, je suis éclaté au sol. Hein. Tiens, d'ailleurs, donc, tu sais quoi, Kisuke, il va dégager de la team... hop, voilà, tu vas gicler, toi, et puis tu vas aller directement sur un de mes persos de ma team farming. Hop, optimisation, toujours, optimisation, les enfants, de la team farming. Toujours, toujours. Je suis désolé, sans pousser, GG. Exactement, Shinsekai, sans aucun effort. C'est quoi tes résolutions sur le jeu pour 2019? Sur le jeu spécialement? Pour autant qu'avant. Bon, ouais, c'est ça. Ne rien changer, justement. Je pense qu'on est bien comme ça, on a un bon rythme. Moi, c'est continuer à essayer d'avoir toutes les requins. Après, je te dis ça maintenant, hein, mais si ça se trouve... Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est Momo! Momo le vivant qui nous met la boule! Merci beaucoup, le courageux, c'est celui... même avec la diarrhée prend le risque de péter. Mais dites ça, Guy. Merci. Ça c'est ce qu'on appelle l'audace. C'est celui qui même avec la diarrhée. Effectivement, ça c'est ce qu'on appelle de l'audace, effectivement. Oui. Médite à ça, G, émoticône clignant de l'œil. À tout moment, t'as une comment dire, une rédac à faire. Qu'est-ce que l'audace en philo? Ben, péter pendant que t'as la diarrhée. C'était voilà. Ouais, on continue avec Keish. Keish qui nous met la boule. Maillot avec Clémentine. Super Ichigo, mais tu sais, de population, je vois pas les rageux. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Fika, demain matin, Mayuri, potion. Clémentine, Popo, demain. Plus grand que Ichigo, oui. Métissage de population, je vois pas les rageux. Donc demain, à partir de 8h, faut que je coule et faut que j'aille farmer des potions violettes en même temps. Il serait peut-être temps que j'ouvre ma Unohana, son mauvais jeu de mots. Que tu l'ouvres dans quel sens? Voilà, c'est deux. Ah non, mais. Allô? Deuxième perso de la team. Attends, Shishigawara. J'avais pas entendu que tu sans mauvais jeu de mots. Je m'en vais. Sur Shishigawara. Donc, dès que Icon revient, j'achète 2 icônes, un 6 étoiles, un 5 étoiles, et pef. C'est bon, je suis en bas. Full 17% de drop de cristaux. Nigel.
Bonsoir Tatiana, bonsoir, bonsoir. Et qu'il a pas suivi ce qui s'est passé. Excusez-moi. Ah mais Aiken, mais demain, justement, il y a Aiken demain. Et je vais te faire mourir avant ta soirée. Alors Tatiana, disons que 1300 orbes, ça va te faire un peu léger, puisque si tu veux faire un tour complet des multis, il va te falloir 1400 orbes, sans compter qu'il y aura les singles à côté qui vont te prendre 140 orbes au total. Donc si tu comptes faire un tour complet des singles et des multis, il va te falloir un global de 1540 orbes. Où est Ryan? Je pense que si Ryan, son état de santé ne s'est pas arrangé, il doit être en train de pleurer son dos. Ouais. Je pense. Sinon, nul doute qu'il serait déjà présent parmi nous. Et en soi, Tatiana, demain, il y aura de nouveaux événements à farm, donc t'inquiète pas. Oui, voilà, c'est clairement, si te manque des orbes, Tatiana, au pire, tu décales ton pool d'un ou deux jours. Bah, t'inquiète pas, il y aura 600 orbes en coop. Tatiana, dès que tu te lèves demain matin, tu lances des coops, tu vas te faire des orbes, il y a le reset des orbes en coop. Allez. Tatiana, ne te fais pas. J'ai perdu les paroles, excusez-moi. Ouais, c'est salut Foudre Jaune, bien le bonsoir, et salut Flumtech au passage. Il a eu quoi au dos? Je serais pas vraiment capable de dire avec précision ce qu'il a au dos, mais c'est pas aglope et ça lui lance des douleurs assez vénères. Non, bah, je crois que c'est tout le monde qui a mal au dos ces derniers jours. Tu peux mettre le gameplay de Wonder Ice. Oui, Ryan il vient de m'envoyer un message, il a dit perdu, c'est sa tête cette fois. Ah merde, il a mal. Bon, c'est un mal de crâne. Bon, okay, oui, effectivement, c'est vrai qu'il est sujet à de fortes migraines aussi. Oui, c'est confirmé le reset des orbes. Bien sûr, vous avez pas vu ma VOD d'information aujourd'hui, c'est marqué noir sur blanc sur le serveur Jap. Voyons les gens, vous ne regardez pas, vous ne suivez pas les vidéos de Guillaume et vous regardez. Bah alors, qu'est-ce que c'est bordel? J'ai passé ma journée à diffuser des news, putain, le moyen que vous pourriez faire, c'est de la regarder. Faut faire attention, on va appeler Pascal de grand frère, hein. Il est avec nous en plus. Quel gros connard. Oui, je sais, je suis un des connards, vous avez le droit. Donc les gens. 517 à 1h12 d'affuck. Ah, ouais. Mes oreilles, elles étaient encore vierges, les gars. Bah, ça fait plaisir, au contraire, c'est qu'on voit que vous êtes au taquet, que vous vous intéressez, ça fait plaisir. Bon, quoi? Ça se barre en couille en vocal, mais t'étais pas là hier à ce soir. Hier soir, c'était un déchaînement, mais c'était du n'importe quoi. Hein. C'était. Salut, numéro TV au passage, je t'avais pas vu. Hier soir, avant, je suis parti, genre j'ai ouvert la porte, tu vois, et j'ai voulu descendre l'escalier, et puis j'ai fait. J'ai cassé la gueule. Non, j'ai vraiment que tu t'es cassé la gueule là. Non mais gros, le pire, il a fait sans cred et non mais c'était tellement drôle. Franchement, Ota. comment? Putain, ça m'énerve d'avoir une mémoire de merde là. Putain. Bref. Voilà. Samy, je peux. Oui, naturellement. Notez que vous pouvez faire de même sur votre propre album, les enfants. Naturellement, nous allons sortir les stats en 6 étoiles. Ce serait quand même plus pertinent. Voilà, il y a Thierry qui était là hier. Il est témoin que c'était une soirée complètement normale. Ah oui, c'était parfaitement logique ce qui se passait hier soir. À quel moment il y a un problème? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À quel moment on parlait de choses pas très catholiques voilà. Ouais, moi je suis tombé dans l'escalier 2 ou 3 fois. Je suis remonté avec une bouteille de champagne. Puis en soi, on a parlé de gonfler des femmes dans le vagin. Enfin, ça c'était. Ouais, stop, arrêtez vos conneries là. C'était une bonne petite soirée. Laurent, ouais, mais. C'est pas ma question, mais tu l'as dit toi-même que c'était un des rares moyens que tu répondes. Par rapport à quoi, Laurent? C'était quoi ta question? Tu as dit quelque chose d'un petit peu plus haut, certainement. Laurent, le mal il a de dit dos, c'est le grand mal de notre époque. Je suis un putain de geek, mais je vous le dis, il faut qu'on bouge notre cul à faire un peu de sport et arrêter de rester aussi. C'est ce que je fais, moi. Je fais du sport. Moi, mon sport, je le fais quand je fais 3 à 5 km de marche quasi quotidiennement pour aller farmer Pokémon Go. J'ai cru qu'il allait dire pour emmener ses enfants à l'école. Bah non, je les emmène avec moi, bien sûr que non. Enfin, en famille, tu rigoles. Bon, dis-moi, Guy, qu'est-ce que tu penses de garder ces doublons pour les up pour mieux gérer la tour des dangers? Perso, je me suis fait un hangar à 675 persos pour glaner les cristaux d'XP sur les poules. C'est une strat qui a déjà été utilisée, ça, effectivement, d'avoir des doublons de persos sur les étages charnières, on va dire, de la tour. Sur la tour des dangers, ouais. Par contre, le point que je maîtrise pas encore en termes d'information, c'est est-ce que nos persos lock dans la tour V1 le seront toujours dans la tour V2? Non, je pense pas, parce que sinon ils l'auraient mis dans le même Sentiamon. S'ils ont fait 2 Sentiamon différents, c'est justement pour éviter de. Oui, c'est une tour différente en fait. Oui, absolument pas. Oui, je suis entièrement d'accord, c'est une tour différente, j'espère. Il y a. Je réponds vite à la question de Lexor96 qui me demande mon premier perso 6 étoiles, c'était le bon vieux Grimjo Vitesse, dont je suis en train de faire la résurrection. Ouais, pareil, c'était Grimjo Vitesse sur la loterie Affinité. Je sais plus à quelle occasion, voilà, c'était celui-ci. Oui, j'ai fait sa résurrection. Non, faut que je farme tranquille Pépouce en arbre de compétences. Et dites-vous qu'une fois que j'aurai fini ces 3 charmants jeunes hommes, j'aurai donc 225 orbes supplémentaires qui vont au miracle apparaître sur mon compte. Putain, quelle productivité ce lapin incroyable! Non, mais tu le caresses de trop ton lapin, fais attention, tu vas avoir des problèmes. Hein.
comment il s'appelle. Il y a Chewy qui a eu 3 fois au Wonder White. Il demande ce qu'il fait. Alors moi je dirais. Tu l'aspect. Tu me passes ce P3. Il a un bombardement. Un Wonder White P3, c'est un très bon bail. C'est comme. Tu vois, il y a un perso, tu vois, c'était Shuren. Pareil, il a un bombardement, il est vénère au stade. Mais Shuren, c'est de la réduction de dégâts subis, c'est chiant, c'est emmerdant. Non, sinon, salut, oui, bonsoir, ACG au passage. Et oui, là, si tu veux commencer, c'est le moment de t'y mettre, hein, je te confirme. Là, il va y avoir tout ce qu'il faut pour bien farmer, de faire un maximum de ressources, pour pouvoir garantir des pools. Ouais, t'as de quoi t'amuser. Hein. Le Shinji Résurrection, il est bien. Non, absolument pas. Il a pas de Résurrection Shinji ici. Si, Shinji, c'est regarde, tu l'as à l'écran en ce moment, si t'as le... Ah, le violet. Ah, ouais. je pensais au vert, moi. Ça aurait été plus intéressant, le vert, déjà, le violet. Ah oui. C'est ignoble. C'est ignoble. Le green jaune n'est pas un mauvais link pour Chad. Si. Intéressant. Si. Le attaque plus le... 100, moi ça me fait bugger. Hein. Le green jaune, en soi, c'est un bon link parce qu'il a un 12 DR. Mais si t'as mieux, voilà. Tiens, nous on en a, il a fait le test. Sa team, elle est passée à 2700 de rage du coup. Bah, avec le attaque plus 100, mais ça fausse tout. C'est une valeur de stat en point fixe. Ce sera jamais aussi intéressant qu'une valeur de stat en pourcentage. Mais en soi, attaque plus pourcent, ça n'existe pas. Donc. Attaque plus 100%. Ah bah super. Ah bah super. Alors il y a Laurent B qui vous dit bonne nuit. Bonne nuit, je vais bouffer mon déjeuner, préparer le réveillon du Nébulon. On est déjà 11h du matin au 31 chez nous. Oh putain. T'as 10 heures. Il est dans le futur. Ok. Toi, ta journée est déjà bien entamée. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, un bon réveillon, de bonnes fêtes du coup, parce que quand toi tu fêteras le réveillon, nous on sera déjà encore dans les préparatifs. Donc bah écoute, une bonne journée à toi et des bisous pour la bonne année. Et on va prendre le petit loot que j'ai loupé au passage aussi. De Zephyros Guy sur le step up, tu vas drop El Famoso Shuei. Bon, que j'ai déjà, mais bon, il va passer Space 1, quoi, clairement. Mais je vais poser une question, lui qui est dans le futur, est-ce qu'il peut nous dire s'il y a beaucoup de monde qu'on peut utiliser? Je crois que j'en voulais pas. Quoi, c'est... Ah, c'est un killer capitaine qui est là, Grimjo. Je m'en voulais pas, tu vois. Grimjo, Jack. Il s'était battu contre quel capitaine, Grimjo? Olawa. Il s'était parti. Ok, il s'est battu contre Shinji, il s'est battu contre Enfin, non, il s'est pas battu contre Rukia, et Rukia, il l'a gagné. Il s'est pas battu contre Rukia. Bon, après, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un délire comme le Aizen qui s'est battu contre que des Shinigami, mais il a quand même le kill. Ouais, logique. Quand il s'est fait ouvrir le cul aussi par Shinji, c'était goldé, quoi. Après, je pense que Aizen, dans sa carrière de Shinigami, il a tué pas mal de holo. En soi. Donc... Samy, non. Mais imaginons que je rampe le Ichigo sur la première multi, je vais jusqu'au bout des 7 steps. Parce que je veux vraiment... Il y a beaucoup de... Ah, t'es en Nouvelle-Calédonie, Laurent. D'accord, je comprends mieux. Non, je vais jusqu'au bout des 7 steps parce que j'ai beaucoup de persos que j'ai pas dans ce step-up et je veux voir vraiment ce que je peux avoir. Et... Oh, merci beaucoup au Foudre Jaune qui nous pose les 10 boules sur la table, bordel. Pardon. Joyeux Noël avec un peu de retard. C'est pas grave. Merci beaucoup. Joyeux Noël avec un peu de retard. Oh, cool. Eh bien, bonsoir. Et comment tu vas? Chiche, tu lèves jusqu'au drop de la bannière. Non, j'ai mes enfants. Je suis un papa responsable, mais c'est cool. Hein. J'ai des responsabilités. Hein. Je peux pas. Mais je doute pas qu'il y en a qui vont faire nuit blanche devant leur stream et puis je vais aller Ichigo. Tu vas voir, demain, je te parie. Je vais pas pouvoir vraiment être devant mon PC demain de la matinée. Je te parie. Dès que ma fille est couchée, j'allume Twitter. J'ai Obamo 50 à 60 notifs de mecs. Regarde ce que j'ai eu, le Ichigo de la multi gratuite. Combien vous pariez? Tu penses que je refais Ichigo sur les gratuits? Je sens bien les gens qui vont sortir. Non, toi, tu vas tellement dans le mind break que toi, tu vas choper la Rukia sur la step gratuite. Ah, ça serait bien. Ouais. La Rukia, là. Y a pas de step gratuite pour la Rukia. Non, mais justement, Ota, il a compris. Il va choper sur le step up, il va choper la Rukia de l'autre portail. C'est ça, je vais casser le jeu. En fait. Il est tellement dans le mind break que c'est exactement ce qui va se passer, quoi. Pardon, petite dame. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un vin de merde. Ah bah t'es... Je suis désolé. Bah dis donc Light. Je trouve qu'il y a beaucoup de laisser aller sur ce stream aussi là. Tu te lâches, hein, non. Oh, là... Il est détendu ce soir, je pense. C'est valorant tout ça. Oh putain de merde. Ah non, j'ai voulu me rasseoir dans mon siège et ça fait... Bon, en fait, pendant deux secondes, j'étais à remonter la question. C'était pas un truc, une chaise qui a grincé ou un truc du genre. C'est... Non, c'est... Ça sent bien mes fesses et ça sent pas très bon. Je pense qu'on se passera des détails, je pense. Ouais, assez bien, ouais. Après... Non, je peux pas faire la montée de l'arbre de compétences d'aucun perso ressuscité pour l'instant parce que je n'ai plus de fodder, j'ai plus de soul ticket. Pour l'instant, eux, ils sont...
Ils sont en stop pour le moment, mais attendez, les persos résurrection, ça va, je crois. Je pense que je suis assez au taquet sur la question. Clairement, arrêtez tous, le chat, c'est bon, c'est qu'un pays. Il a dû laisser un morceau de trace de pneu dans son. Le live de la décadence. Et ouais, voilà. Et oui. Là, il était constipé, mais non, putain. Ah oui, putain. Ah oui, excusez-moi. La demande du chat doit être honorée via cette petite macro suivante. Bordel de merde. Ou éventuellement, parce que je crois que je me suis trompé, bon, on va mettre celle-ci. Putain de non. putain de merde. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, putain de merde. Voilà. J'espère que vous avez été régalé. C'est... ça vient de Jour du Grenier, ça, si je dis pas. Ouais. Ah, bien vu. T'as plus de tickets premium. Si, 200. Ou 300. Quelque chose comme ça. Il y aura une rediff du live avec le P. Ah oui, il n'y a aucune coupure. Ouais. Il n'y aura aucune coupure. Notez bien la timeline. Ça s'est passé entre, 2 minutes, entre 2h30 et 2h35. Ouais. Notez bien la timeline. J'arrive, il y a Light qui lâche une caisse. Bien joué, Tetsuya. Ça, meilleur timing que ça, tu ne peux point. Ah, tu peux pas, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique, je te plus sois. Light, rename sur Discord, pète en live. Ah oui, en termes de jeu, je joue en ce moment, oui, tout à fait. Est-ce que tu as remarqué que la roquette qui va sortir un point sur la carte de vœux 2017, en effet, les jeunes snipings, effectivement, quelqu'un tout à l'heure nous en a parlé. J'ai été voir immédiatement de ce pas, et en effet, la Rukia Nouvel An était déjà présente sur l'illustration de la carte de vœux 2017. Voilà. Donc, ça fait un an qu'on vit dans le Mindbreak. Donc, du coup, ça vous dit pas un petit peu de vous dire qu'ils ont quand même un an d'avance sur le chara design des persos? Bah, c'est comme le. Il y a un Grimjo d'ailleurs, en fait, qui est dans le jeu. Enfin, il y a son artwork qui est fait, mais il est toujours pas dans le jeu, en fait, en tant que personnage jouable. Lequel Grimjo? C'est un Grimjo qui apparaît souvent, en fait, dans. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est dans les millions de téléchargements, genre quand t'es à 33 millions de téléchargements, etc. Ah oui, je crois, c'est vrai. Tu vois, en fait, il y a un Grimjo qui apparaît à chaque fois, mais il est pas du tout dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Le Grimjo qui est en fond. Ouais, faudrait que j'essaie de retrouver l'image. Ouais, parce que je vois pas trop là si pour le coup. Ouais. À 8h le portail. Bah c'est un Grimjo, first etapa. Un Grimjo vanilla quoi, classique. Ouais, c'est pas transformé. Enfin si, je crois qu'il est transformé, si je dis pas que transformé. Avec sa Resurrection. Bah comme le bleu là que t'as sur ton écran. D'accord. Bah y a le orange. Y a cette forme là, mais. L'orange, il me semble qu'il est comme ça. T'as le orange, mais c'est un artwork qu'on n'a jamais vu. Ok. Je vais regarder sur Reddit s'il y a des fois. Ça marche, Marc-Antoine. Merci beaucoup pour toi aussi. Merde pour les poules et à bientôt. Merci. Bon, de toute façon, je t'avoue, Marc-Antoine, qu'on va t'imiter aussi parce qu'il est 1h30. Et moi, clairement, ma fille demain, elle va pas me laisser faire de la grasse mat. Hein. Rêvez pas. Hein. Si déjà j'arrive. Enfin, si, franchement, je pourrais considérer une grasse mat si ma fille me laisse dormir jusqu'à 8h. Là, je pourrais considérer que j'ai fait une grasse mat. Dans le cas contraire, faut mettre les choses au clair avec Ichigo, il sera le god du PVE. Ichigo PVE? Oui. Oui, PVE, peut-être. J'avais cru lire PVP. J'ai eu peur. Non, oui, mais PVE, oui, éventuellement. C'est mieux le Yamaji Tech ou le Yamaji Tag Team, ça dépend de l'usage. Yamaji Tag Team pour farmer en PVE, c'est très bien. En revanche, pour le PVP, Yamaji Tech sera davantage à prévoir. D'accord, j'ai envoyé ce loot il y a 1 heure et c'est celui que tu as lu avant aussi, c'était le mien. Oh. Pas mal. On a fait une inception en live? Incroyable. Elle a quel âge ta fille? Elle a tout juste plus de 2 ans, elle a eu 2 ans en septembre. Tu vas invoquer avec les créatures soit s'habille. Demain, j'aurai pas le temps de faire les courses, les gars. Demain, entre mes enfants, le peu d'organisation que je vais trouver le temps de mettre en place sur YouTube, plus les préparatifs du premier de l'an, faut surtout pas me demander de rajouter autre chose. Ça va être un merdier, mais demain, ça devrait être un petit peu plus reposant qu'aujourd'hui. En même temps, on peut pas faire pire, je crois. Si. Si. Bon, en même temps, si, ma vie, c'est tellement de la merde que tu vas voir que ça va être possible. Bon, bref, allez. Il va être vraiment le temps qu'on s'arrête ici. 2h37 de live, c'est pas mal. Moi, je vais simplement rester sur le fait que je vous souhaite à tous, de choper tout ce que vous voulez dans les quantités que vous voulez, sans vous ruiner. Faites-vous plaisir. Mais clairement, je vous souhaite vraiment tout le meilleur par rapport à ça. Il n'y aura pas d'autres possibles streams demain, je ne pense pas. Peut-être les poules en début d'après, mais je peux vraiment rien vous promettre. S'il y a un stream qui pop demain dans l'après-midi, ce sera vraiment à la zob de l'impro la plus totale. Je peux rien vous promettre. Donc au cas où j'aurai pas l'occasion de vous le souhaiter de vive voix, je vous souhaite dès à présent
d'excellent réveillon. Kiffez bien ce moment, famille, proches, bref, profitez un maximum. Pétez-vous le foie, l'estomac, tout ce que vous voulez, mais régalez-vous, passez un super moment. Et puis, dans le pire des cas, je vous retrouverai de toute façon dans la journée de mardi, notamment le soir, pour éventuellement reprendre la suite des programmes. Si toutefois il y a un petit stream demain après-midi, bah écoutez, ce sera avec le plus grand plaisir que j'aurai l'occasion de l'organiser. En attendant, merci à vous tous, en tout cas pour cette super année. On va entamer janvier sous les mêmes auspices, avec plein de très très bonnes choses qui vont arriver très prochainement. Des gros bisous à vous tous. Kiffez bien, et à une prochaine. Des bisous. Bonne nuit, bisous tout le monde.